Eh bien bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez déjà? Je pense que normalement le son est ok. Bienvenue pour une nouvelle soirée avec HT Actu sur Twitch, et je suis en bonne compagnie, je suis avec Zed, je te dis bonjour directement Zed, parce qu'on va passer la soirée majoritairement à deux, en tout cas pour commencer. Hello, hello. Bonsoir à tous, et bonsoir Rapidu. Comment ça va? Cassé de tous les côtés, mais je voulais être là. Ça c'est beau, c'est beau. Alors voilà, on va vous expliquer. Et effectivement, en gros, Darcel et Alpa ne sont pas là. Alpa sera peut-être là, peut-être pas, on verra. Nous, on s'est posé la question de est-ce qu'on fait quand même une émission ou pas, mais comme on est moins nombreux, c'est toujours plus compliqué. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait faire une libre antenne qu'on a déjà fait à l'époque, hein, donc vous connaissez déjà, hein, bien évidemment, vous connaissez la formule. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on ferait une libre antenne. Et il faut savoir quand même, petite précision, parce qu'on va quand même le dire, ce matin, avec Zed, on s'est appelé, enfin on s'est envoyé des messages via Discord, parce que je lui ai dit, écoute, je pense que j'ai une grippe, j'ai la fièvre, je suis cassé, machin, blablabla, est-ce qu'on fait quand même l'émission? Il m'a répondu, écoute, moi aussi. Alors on s'est dit, bah cool, on va la faire à deux en étant malade, ça va être encore mieux, donc voilà, mais bon, normalement, ça va aller. On va s'en souvenir de celle-là, je pense. Ça va sembler long, sauf si des gens participent avec dans l'émission, en tout cas, et nous font passer le temps, en tout cas, de manière agréable, mais on sait qu'avec la communauté qu'on a, ça sera certainement agréable. Alors bonjour à tout le monde, déjà merci à Cochon Star qui a renouvelé son abonnement, un grand merci, bonjour à Belette. Merci, merci. À Franz qui a marqué un penalty, ça on va expliquer ça dans deux secondes, je vois qu'il y a aussi Galoyan. Le penalty, alors qu'est-ce que c'est? En gros, quand vous suivez l'émission ou quand vous pronostiquez sur des matchs, vous avez des points de chaîne en fait tout en bas à gauche. C'est un peu, ça remercie votre fidélité. Et donc, on a trouvé ce principe avec les points de chaîne où en fait vous pouvez tirer des pénalties. Voilà, ça change rien, ça fait rien, c'est juste amusant, on va dire, et ça permet de dépenser des points de chaîne. Donc voilà, en fait, faut savoir qu'il y a un pourcentage de réussite, de ratage. Et donc, Franz, tu as réussi en tout cas ton pénalty. C'est pas évident, c'est plus facile de les rater que de les marquer, hein, Zed, si je dis pas de bêtises. C'est tout à fait. C'est... Donc bravo pour la performance. Le ratio, voilà. Et plus élevé pour l'échec, malheureusement. Exactement, exactement. Bon, on s'est dit, il faut vraiment que les gens soient contents de marquer un penalty. Donc et voilà. Après, ça ne veut pas dire que s'il y en a un qui marque, le suivant ne marquera pas. C'est complètement aléatoire, hein. Attention. Bien évidemment, c'est aléatoire. Et donc voilà, on espère que vous allez bien dans le chat parce qu'on va devoir compter sur vous aussi. Alors, est-ce que vous allez bien dans le chat déjà? Et deuxièmement, il faut savoir qu'on a quand même reçu différentes choses qu'on va vous partager tout le long de la soirée. On a aussi prévu des choses de notre côté au cas où il n'y aurait rien, parce qu'il faut toujours prévoir le fait que s'il n'y a rien, on ne va pas commencer à parler pendant deux heures pour ne rien dire, même si on est quand même doué pour ça, généralement. Enfin, bon, ça va. Pour toi, oui. Et donc, on a prévu des petites choses au cas où, mais on verra. Donc, en fait, l'émission, c'est vraiment vous qui allez le faire. Et on a déjà des invités qui vont venir, qui vont passer à l'antenne. On en a déjà quelques-uns, en tout cas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des invités que vous avez déjà entendus, qui vont repasser. Et je sais qu'il y a un invité qu'on n'a jamais entendu qui va passer aussi. Donc voilà, comme ça, petit scoop. On n'en dit pas plus, vous verrez à ce moment-là. Et il y a juste un maître mot ce soir. Enfin, comment dire plutôt, je ne trouve pas le mot. Voilà, une petite chose qu'on va demander aux gens, en tout cas, qui vont passer à l'antenne, c'est s'il vous plaît de ne pas parler des élections. En fait, on peut parler des élections de manière générale, de dire voilà, il y a des nouvelles élections, il s'est passé beaucoup de choses, etc. Et oui, c'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. On peut parler des élections. En gros, Dapidu, oui. Est-ce que je peux dire, par exemple, voter Dapidu, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le plus fort de tous les sélectionneurs? Alors, même si c'est vrai que je suis le plus beau et le plus fort, alors meilleur des sélectionneurs, c'est à mon avis non, bien évidemment. C'est surtout parce que t'es le patron et que c'est toi qui gère le truc. Mais non, bien évidemment, non, justement, on va essayer de ne pas faire de propagande. On est là pour passer un bon moment tous ensemble. Pourquoi est-ce qu'on a mis cette règle-là? Tout simplement parce que ça pourrait, on va dire, privilégier des gens qui sont plus à l'aise à la parole qu'à l'écrit. Il y a peut-être des gens timides qui n'osent pas passer à l'antenne et qui pourraient finalement ne pas toucher une partie de la communauté. Alors, on touche pas non plus énormément de personnes, mais quand même peut-être quelques personnes qui pourraient peut-être faire la différence ou pas. Mais voilà, on s'est dit, on préfère rester en dehors de tout ça. Comme d'habitude, c'est un peu notre volonté. Donc voilà, donc les différentes personnes qui vont venir... L'analyse généraliste est autorisée. Oui, tout à fait. Par contre, on peut dire qu'il y a des élections, on peut dire qu'il y a des personnes qui ont mis leur candidature et qu'il y a même beaucoup de personnes qui ont mis leur candidature. Mais de ça, on va en discuter, hein, je pense, le long de la soirée. Vous allez voir, il y a différentes choses, à mon avis, qui parlent de ça. Ça, on peut en parler, bien évidemment, c'est l'actualité. Mais on va pas dire voter un tel, ou voter pour moi, etc. Enfin, donc voilà. Je ne me présente pas, au passage, pas au cas où. Et donc, voilà. Voter, d'appui du président, pas du tout. Donc voilà. Voter rigolo, voter animaux, comme dirait Galoyan, ça c'est autorisé. C'est ça, voilà. Et donc voilà. Son président. Alors ce soir, donc, on aura des invités, bien évidemment. On va en avoir un d'ici 5 minutes. On va déjà avoir un invité. Et on aura des invités, en tout cas, dans la deuxième partie d'émission. Et on aura aussi des petits messages. On a reçu des messages écrits. Donc ça, c'est assez chouette. On verra ça par la suite. Et un message audio aussi. Si vous avez suivi le forum, vous pouvez vous douter de qui ça va être. Et donc voilà pour. En tout cas, je pense qu'on a dit plus ou moins tout. Si vous voulez passer à l'antenne, parce que voilà, on va encore prendre les demandes. Hein. Si maintenant vous dites, vous suivez l'émission là maintenant et vous voulez réagir à quelqu'un, par exemple.
on improvise un petit peu. Tu as déjà mis aux futurs invités, tu leur as déjà mis le rang qu'il aurait dû techniquement pour les recevoir, c'est ça, tu Tout m'as à dit? fait, tout à fait. Ok, d'accord. Donc, ben, notre premier invité, tu peux déjà le dire ou pas? Comme ça, au pire, on peut déjà peut-être doucement l'appeler. Bon, en tout cas, qui se connecte dans pré-live, et comme ça, vous verrez. On va laisser un peu la surprise, comme ça, les gens, tu Qui vois, se il y a toutes connecte ces dans petites pré-live, il surprises. doit avoir 15 channels, c'est pré-live. Et moi, à ce moment-là, je le rejoins et je laisserai Dapidu tout seul avec vous. Soyez gentil avec lui, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc voilà, si maintenant vous voulez participer, parce que imaginons, quelqu'un va dire quelque chose à l'antenne et vous vous dites, ah ouais, mais j'ai vraiment envie de réagir parce que je suis pas d'accord, je suis d'accord avec ça. On avait eu ça lors de la première libre antenne d'ailleurs, un manager qui avait dit quelque chose, un autre qui était venu pour justement contredire, etc. Ce qui est assez chouette, ça fait du débat. Bah, n'hésitez pas, on prend quand même encore les demandes de personnes qui veulent passer à l'antenne, vous êtes tous les bienvenus, il y a encore de la place en tout cas au cas où. Et donc il suffit juste de m'envoyer un HTML et après bah, on fait une petite popote de notre côté, on essaie de vous envoyer les différents liens, les différentes choses. Donc voilà, il faut juste, alors petite précision, il faut juste avoir Discord quand même. Donc voilà, si vous avez Discord. Alors après, je pense que Discord, on peut aussi l'avoir sur navigateur assez facilement. Je veux dire, c'est pas un programme qu'il faut avoir absolument. Normalement, avec le lien qu'on va vous envoyer, ça va au pire vous l'ouvrir dans C'est une ce que fenêtre j'allais dire en Windows. fait. J'allais dire, donc notre premier invité, est-ce que c'était ça qui était prévu d'habitude? Oui, tout à fait, tout à fait. C'était lui, c'était ah, c'était lui, c'est ah, c'est lui. Alors premier invité, vous le connaissez bien évidemment. J'arrive, mon ami. Du coup, et comme on disait, donc effectivement, même si vous n'avez pas Discord, tant que vous avez un micro, même avec un téléphone, vous vous connectez avec le lien qu'on vous donne. Il va falloir juste accepter que le PC ou le téléphone ou la tablette ait accès, enfin que Discord ait accès au micro et au parleur. Ils vont vous poser la question. Et à partir de là, vous pouvez discuter avec nous et on peut faire des. On peut, en toute façon, on fait un test avant de vous envoyer dans Ça la marche, fosse aux lions. Enfin, tout je à crois que nos fait. lions sont plutôt des petits chatons. Je vais répondre aux questions pendant que tu vas chercher notre invité Z et comme Voilà, je vais le ça, chercher, etc. je reviens tout de suite, hein, attention. Hein. Alors Galwayan qui nous dit, en plus c'est une élection provisoire si j'ai bien compris. Alors effectivement, parce que comme la campagne n'est pas terminée en fait, enfin, la saison en tout cas, donc ça va être une élection qui va permettre d'élire un sélectionneur pendant, alors j'ai un trou de mémoire, je sais plus si c'est 6 ou 8 semaines, alors dans le chat vous allez pouvoir me confirmer ça. Donc on va dire que c'est une élection pour la fin en tout cas de saison, pour voilà, de manière provisoire. Après, ça peut peut-être offrir des clés pour un futur sélectionneur, si maintenant la personne, ça lui plaît en tout cas, ce que la personne fera en tant que sélectionneur. Et donc oui, c'est des élections un peu provisoires dans l'urgence, parce que voilà, il y a eu la démission donc de Siscouf. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces élections un peu anticipées, pour pas que l'équipe nationale, en tout cas, il n'y ait personne dedans, et donc éviter de donner de l'expérience, etc., des joueurs, ou de faire des compositions, sachant que c'est que pour des matchs amicaux de toute façon, hein, il n'y a plus de compétition pour l'instant. J'ai Discord, nous dit Bob le Vautour. Bah, si tu veux passer, t'es bienvenu, hein, Bob le Vautour, n'hésite pas en tout cas. C'est un arrêt complet du jeu. Alors en tout cas, aux nouvelles qu'on a eues des forums, etc., ça a l'air d'être le cas. Maintenant, je prends des pincettes parce que voilà, on n'est pas non plus dans la tête de Syscouf, mais en tout cas, de ce qu'on a cru comprendre sur les forums, etc., ça a l'air d'être un arrêt définitif, en tout cas, de Syscouf. Donc voilà. Toujours triste d'avoir un sélectionneur, en tout cas, qui arrête là, en tout cas, quel qu'il soit, malgré qu'il y a eu peut-être des tensions, des soucis, etc. Ah, moi, petite confidence quand même. J'ai dû m'absenter 3 jours où j'ai quasiment pas eu accès à Internet. Je me suis pas du tout connecté à Trick, etc. Enfin, bon, bref, j'ai vraiment. Enfin, j'étais déconnecté de tout ça. Je suis revenu hier, en fait, et j'ai découvert tout ça, que le forum était à feu et à sang. Et donc, voilà. Donc, je suis aussi un peu nouveau, en tout cas, dans tout ce qu'il y a eu là, quoi. Donc, comme ça, vous savez. Bon, bref, trêve de bavardage. On peut accueillir directement notre premier invité qui est Cochon Star. Salut, Cochon Star. Salut! Comment ça va? Bon, ça va bien. Je viens jamais moi dans cette émission, donc je dis c'est vraiment une opportunité. C'était l'occasion jamais quoi, bien sûr, c'est Voilà, vrai. c'est ça, de me présenter, de voir qui je suis, machin, etc. Et ben ça fait J'attaque tout plaisir. de suite. Ça fait plaisir de Oui, ça t'entendre en va, tout ça va. cas. Ouais. Et Ça est-ce va. que Z a été gentil avec toi dans hors antenne là? Non, c'était Darcel que j'ai eu. Ouais, il m'a fait un petit affront quand même, un cochon. Ok. Il m'a dit c'est qui que j'ai en ligne quoi. T'as pas reconnu sa voix? Du coup, j'ai dû prendre. Je suis désolé, mais je confonds Darcel et Z régulièrement au niveau. C'est J'ai vrai? bien eu. Du Ah, coup, ok. j'ai dû Ouais, prendre mon ouais, accent c'est belge bien. une fois. J'ai dû prendre mon accent belge. Je pense qu'il Alors, me quand ils ont l'accent reconnaissent. belge, dis-moi 8. Dis-moi 8, par exemple. C'est ça. Huit. 8. Bah, tu le 88. dis bien. 98. Et non, c'est Oui, bien Z. 98, 78, c'est impeccable. En tout cas, c'est bien Z qui est là. Oui, donc là, on parlait bien évidemment des élections anticipées, etc. Qu'est-ce qui t'amène, cochon, pour ce soir, en tout cas, pour. Qu'est-ce Le que. hasard, sûrement. Ok. Déjà, c'est bien, c'est déjà très bien, donc. Non, c'est pas le hasard, c'est bien sûr. J'essaie d'exploiter votre présence. Moi, j'ai envie de parler soit de deux choses. Tu me dis l'un ou l'autre, comme je Ok. t'ai dit. Soit je présente les élections dans leur ensemble, les Ok. élections U21, où Sans j'explique pourquoi il y a des propagande. élections. Sans propagande, hein, on a dit. Et Enfin, j'ai une alarme.
aucune propagande, etc. C'est un peu dur. Donc, ça, ou bien sûr, nous, on a un quart de finale. D'ailleurs, il y a Jabot que je viens de voir dans le chat. Et donc, il s'est passé pas mal de choses. Il y a le quart de finale Maroc-Sénégal. Et en plus de ce match, Jabot m'a fait l'honneur. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Fait l'honneur de répondre à une interview chez lui à Dakar. Donc on s'est imaginé qu'on était dans son café préféré à Dakar. Et on a discuté longuement comme ça. C'était assez long, j'ai pas le temps qu'on a passé, et on a parlé de tout, même de sujets hyper sensibles qu'on ne peut pas exprimer. Peut-être sur Acheter Actu on aurait pu, mais on ne le fait pas. C'est du passé, tout ça, etc. Et j'ai vraiment, 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 vraiment beaucoup apprécié cet échange avec ce manager, qui est très, très décrié au Maroc pour différentes raisons. Donc, il y a vraiment un message de paix de la part de Jabot. Je l'ai abordé comme ça en disant, écoute, on va faire une interview à la Ardisson, mais bon, je ne suis pas Ardisson, hein, mais dans ce genre-là, en disant, on dit tout. Et on attaque. Et donc, j'ai dû traduire ça en langage afrique sur le forum du Maroc, parce que naturellement, il y a des sujets qui sont interdits, politique, religion, faute, etc. On ne peut pas en parler, c'est comme ça. Okay. Je suis toujours là ? Oui, tout à fait, voilà. Tu es là. Et non, mais il y a eu un bruit bizarre. Oui, il y a un invité mystère qui est arrivé aussi. Voilà, je commence par ça, parce que franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte de répondre à ces questions qui sont très trash. On ne le ressent peut-être pas dans l'interview que j'ai fait, mais on a parlé vraiment de tout, de tout, de est-ce tout. Que... Est-ce que je peux te demander juste, pour les gens qui sont curieux, parce que moi-même je suis curieux, je n'ai pas vu passer cette interview, on peut la retrouver où ? Ah ben, sur le forum marocain, donc je peux t'envoyer le lien tout de suite. Si tu as le lien, et pour les gens aussi dans le chat, parce que ça peut être intéressant, effectivement. C'est gentil, ça. Envoie-moi le lien, je vais le mettre dans le chat, au cochon. À Darcel ? D'accord, ok. Il va être plein de comprendre. Et alors, ce soir, il est pas dispo malheureusement. Il va recevoir des notifications sur son téléphone ou sur son PC. Petite interlude juste pour dire que Alpa nous a rejoint aussi. Oui, Alpa nous a rejoint. Salut. Donc voilà, bienvenue Alpa. Salut tout le monde. Ceci est un test audio. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ça va. On t'entend. Roger, c'est bon. Nous avons atterri sur la Lune. C'est bon. Non, ça va. Nous vous recevons. Ok, vous allez bien ? Très bien. Et toi, comment ça va ? Ouais, super. On parlait bon, des. Je serai là un peu en pointillé, donc si je disparais totalement, c'est pas que je me suis évaporé, c'est juste que je suis en pointillé, quoi. Voilà. Pas de souci, ça marche. Okay, tu interviens quand tu veux, en tout cas. Tu seras un peu la personne en pointillé, voilà, le fil rouge pointillé. Voilà. Ça marche. Et donc, Cochon, pour l'interview, donc en fait, tu as interviewé. J'ai bien envoyé à Z. Ok, parfait. Et comme ça, on va voir ça. Alors, donc ta question à la base, c'était est-ce que tu veux parler de l'interview ou est-ce que tu veux parler des élections ? Tu m'as envoyé ça où, Cochon ? Par HTML ? Cochon HTML, oui. Ok, d'accord. J'attendais dans le Discord, mais je suis allé voir mes HTML. Les sangliers du Sud, c'est toi ? Tout à fait, c'est moi. Voilà, je vais prendre ça, je vais partager avec le chat. On va demander au chat. Ok, mais donc, c'est toi le chef, Dapidu. Donc, soit je parle du Maroc, soit je parle des élections, comme tu veux. On va demander au chat. Qu'est-ce que le chat veut ? C'est le chat qui va décider, voilà. Tu vois, c'est un peu l'émission. Ouais, c'est l'émission. C'est l'émission, comment tu vois, de Libre Antenne. Donc les gens dans le chat peuvent décider de quoi tu vas parler. Attention, si c'est les élections, on ne parle pas de... Il n'y a pas de propagande, etc., machin, comme on a dit. C'est juste de manière générale présenter les candidats. Ok. Ou alors c'est le Maroc. C'est quelque chose que j'ai fait dans des fédérations, que j'ai contacté des fédérations. Donc par exemple... j'ai une blague à raconter par rapport à ça. J'ai contacté naturellement une des plus grandes fédérations françaises, donc les animaux. Et Galvoyant m'a dit tout de suite, oui, tu fais un post, tu présentes ton truc, mais voilà, tu présentes ce que tu veux. Et donc, c'est déjà là que j'ai eu l'idée, comme il m'a tellement bien accueilli, on n'est pas là pour faire de la pub, on est là pour présenter tout à fait des élections. Alors que mon idée de départ, ce n'était pas ça. Vous me connaissez comment je suis, comment je peux spammer partout. Et donc, j'ai fait vraiment une présentation globale des élections. Et vous faites ce que vous voulez, vous votez pour qui vous voulez, etc. Ah, il y a mon fils qui est là, Cochon Gade, coucou. Donc, c'est les élections, le Maroc, c'est ça, hein, tu avais dit. Cochon. Oui. Tu parles des élections du Maroc, hein, c'est ça. Hein. Mais non, les élections en France. Non, mais je veux dire, il y a les élections en France, bien évidemment. Ou c'est quoi le deuxième sujet ? Attends, parce que je bug.
deuxième sujet, c'est les quarts de finale. Ah oui. Et l'interview que j'ai faite de Jabot. Et interview Jabot. Ok, ça va. Écoute, on va demander ça. Attends, parce que je peux pas tout écrire. Quart final et interview Jabot. Non. Et petite anecdote avec Galwayan. Je ne sais pas s'il est là, mais il doit être portable. Il est là. Et Galwayan qui demande à mon fils, c'est quoi le nom de ton club ? Mon fils, Galwayan, ne joue pas à Trick. Mais comme je suis sur Twitch, il se connecte. Il vient t'écouter. Et il s'appelle Cochon Gad. Gad, ça fait partie de son prénom. Il s'appelle Galahad. Et donc, Cochon, bah, voilà, c'est mon surnom sur Attrick. Et donc, c'est devenu rapidement Cochon Gad. Okay. Mais il ne joue pas à Attrick. Il n'aime pas Attrick. Il comprend pas comment on peut se passionner pour ce bidule. Je lui ai déjà montré. Hein, il a déjà vu mes joueurs. Il a déjà beaucoup rigolé là-dessus avec les noms complètement obscènes de mes joueurs. mais voilà. Il y a un sondage en cours. Petit sondage en cours, oui, donc n'hésitez pas à voter. Voilà, de quoi Cochon va-t-il parler ce soir? Et donc n'hésitez pas à voter, c'est au-dessus du chat. Et comme ça, on verra donc de quoi Cochon va parler. Galahad, comme dans Kingsman, service secret, Cochon. Pardon? Galahad, comme dans Kingsman, service secret, c'est ça? Ah tiens, oui, exact. Exact. Mmh. Voilà. Voilà. Mais là, la référence, c'est les chevaliers de la table ronde, naturellement. Hein. Ou les chevaliers de la table ronde, effectivement. Mmh. Alors pour l'instant, le sondage est serré. Oui, vas-y, Alpa. D'ailleurs, Cochon, que penses-tu de la réforme des frères, des pères, des grands-pères dans la trique? Parce que là, il y a une nouvelle annonce récemment. C'est toi qui vas devoir me l'expliquer, parce qu'en fait, je suis tellement occupé avec les élections, le Maroc et tout ça, etc. Répondre à plein de... J'ai vu l'information, mais j'ai pas su l'enregistrer. Je sais que, voilà, moi j'ai des joueurs qui sont fils, petits-fils, frères, etc. C'est génial, mais la réforme qu'ils en ont fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, faut que tu me l'expliques. Pas de souci, pas de souci. Bah, grosso modo, déjà, les commentateurs dans les lives, ils parleront plus, ils font plus des commentaires liés lorsqu'il y aura, par exemple, deux frères sur le terrain, ou un père et son fils sur le terrain. Donc ça va être fun, ça reprend un peu de comment dire, de peps au rapport de match, quoi. Mm-hmm. Et après, il y aura deux réussites qui seront liées, grosso modo, au match où, en gros, deux frères s'affrontent dans deux équipes différentes. Oh, génial. Ou alors deux frères jouent dans la même équipe, quoi. D'accord, ok, c'est fun. J'aime bien. Voilà, donc des réussites en plus pour les collectionneurs de réussites, voilà. C'est pas mal. En plus, cette réussite, je pense que quand il y a eu les familles qui ont été introduites, je crois qu'il y a des gens qui se sont demandé s'il n'y avait pas justement des réussites cachées comme ça. Il y a eu dans le sujet, hein, sur le forum, bah, finalement, ils l'ont mis, quoi. Ils ont introduit ce principe. Voilà. La première, c'est réunion de famille. Alors la première, c'est réunion de famille. Donc, pardon, je vous ai dit deux frères dans deux équipes différentes. En fait, c'est deux parents dans deux équipes différentes. Donc, ça peut être un père et son fils ou un grand-père et son petit-fils. Ça peut arriver. Ok. Et la deuxième réussite, c'est frères d'armes. Donc là, c'est vraiment deux équipes qui jouent, deux frères, pardon, qui jouent dans la même équipe. Voilà. Ok. Ce qui est sympa quand même, sympa pour ceux qui aiment les réussites. Est-ce que des gens l'ont déjà eu dans le forum? Et vous aussi, Cochon et Alpa, est-ce que vous l'avez déjà eu? Et Zed aussi. Enfin, n'hésitez pas à me dire. Moi non plus. Moi non. Moi, j'ai pas reçu du tout. Hein. Ça, j'ai pas vraiment de famille en fait. J'ai juste un joueur. Je crois que c'est avec quelqu'un du staff en fait. Donc c'est un jeune avec quelqu'un du staff. Donc. De spécial, mais je peux te mettre un lien par exemple. Papa la poupoum, je sais pas où il est, faut que je tombe dessus comme ça. Dans le temple de la renommée, oui, voilà, c'est un truc un peu marrant. Dans le temple de la renommée au Maroc, j'ai un Allemand, mais faut que je tombe dessus comme ça, c'est un peu compliqué. Où est-ce qu'il est? C'est un Allemand ou un Autrichien? Ah, bah c'est lui, je crois que c'est Breizik. Non, c'est pas lui, mais j'ai un Allemand comme ça ou quelque chose dans le genre qui est... Ah, voilà, c'est un Autrichien, c'est Philippe Fritz. Ouais, c'est lui. Voilà, Philippe Fritz. Donc je t'envoie le lien comme ça. Boum. Et lui, c'est original. C'est qu'il a un fils. Mais comme il s'est installé, qu'il a joué un petit peu dans mon club, enfin, il n'a pas fait grand-chose, il était déjà très très âgé, eh bien son fils, Abdel Ghaffar Zaghlaoui, est un de mes académiciens. Donc il a dû rencontrer une petite Marocaine... là-bas, et pour des raisons XY, à mon avis, il était déjà marié, un truc dans le genre, et ben c'est le nom de la maman qui a été choisie. Donc j'ai ça avec un autre joueur aussi, donc je trouve ça fun qu'il n'y ait pas que des gens avec le même nom de famille ou des choses comme ça. Donc ça veut dire que tu as un joueur qui joue dans un de tes clubs,
même s'il n'a pas la nationalité, etc., eh ben, il peut avoir un enfant, un parent, ayant la nationalité du club que tu possèdes. Enfin, si je ouais, c'est ça, oui, comprendre. Oui. Oui, c'est vrai que tu peux avoir des... Attends, t'en répètes, parce que... Donc attends, t'as un joueur... Bon, je dis, par exemple, là, ici, j'ai un joueur autrichien qui a joué dans mon club marocain, oui. Qui se retrouve avec un fils marocain. Voilà, c'est ça. Ok. Je trouve ça marrant. Ouais, non, c'est bien fait, c'est super, mais c'est vraiment génial, quoi. En tout cas, ce principe, ça rajoute un peu de RP. Comme disait Franz, hein, c'est vrai que pas possible, car la famille, c'était il y a moins d'une saison, donc faut attendre, donc effectivement, c'est pas encore possible d'avoir ça là directement, en tout cas, tout ce qui est réussite. Mais donc, voilà. Donc, Cochon, on va parler des élections. En tout cas, le sondage, voilà, le peuple s'est exprimé. Sondage élection. Ah. Donc, les élections de manière générale, et donc voilà. En général, si Atric arrête de bugger, parce que moi j'ai un gros bug et j'avais une belle page qui racontait tout ça. Donc je suis en train de. Je crois que c'est là. Je suis tout en direct. Ah voilà, je l'ai. Ouais, ouais. Donc en fait, il y a quelque chose de génial qui a été fait. Bon, déjà, on va commencer par le début. Un, pourquoi des élections ? Alors, des élections parce que le sélectionneur, est-ce que je peux le nommer ? Oui, je le nomme. Oui, Siskouf, oui, pour une raison, je le regarde, a fait un rage kit de Atric. Et donc, bon, bah, il a fait. Quelques démarches, donc il a vendu ses joueurs principaux, j'ai vu dans ses clubs, j'en ai même acquis un Mexicain, il avait un club mexicain, mais il n'était pas cher celui-là, parce que tous les autres c'était des gros joueurs, et donc il a mis en vente ses joueurs, et après, quand on démissionne d'un poste de sélectionneur, U21A, eh bien on doit quitter Atric, c'est comme ça, il n'y a pas, ouais j'arrête de jouer en ce moment et je reviendrai plus tard, si Siskouf revient, ça sera avec un tout nouveau club. Il a le droit, il peut se réinscrire sur Atric sans aucun souci, et j'espère qu'on le reverra, parce que franchement, c'est un camarade qui, bon, il a des fans, pas beaucoup, il a remué beaucoup de choses, etc. Mais voilà, c'est jamais gai de voir quelqu'un partir comme ça. Ça, c'est pour la raison des élections. Alors, des élections maintenant, mais la France est éliminée, tout à fait. Exactement. La France est éliminée. Et donc là, il ne reste que des matchs amicaux, je pense qu'il en reste 5, étant donné que son entraîneur adjoint, qui est tchèque, et qui a un nom genre Skalpelipopette, mais c'est pas Skalpelipopette, c'est pas... J'aime aller... Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Skalpelipopoulos, ou Poupoulas, un truc... Enfin, bref. On va retrouver ça. Pouvait gérer un amical, mais maintenant, il faut un sélectionneur. Donc, c'est une règle qui, à mon avis, devrait être changée, parce que, voilà, t'as un sélectionneur qui part... Bah, voilà, l'adjoint aurait très bien pu terminer. Bon, voilà. Donc, il y a une élection et il faut élire un sélectionneur qui va être là que pour 5-6 semaines et juste gérer ces satanés matchs amicaux. Alors, on pensait, c'est ce que je lis sur les forums, on pensait que ça n'intéresserait personne. Parce qu'après, il faut refaire des élections. Tout à fait, tout à fait. Des élections. Ah oui, bien sûr, le sélectionneur qui est élu là maintenant... Ouais. N'est pas le sélectionneur qui sera dans 6 semaines. Alors peut-être que oui, peut-être que non, mais il y aura des élections à nouveau dans 6 semaines, effectivement, ça il faut bien préciser. Alors je vais donner un exemple. Quand Kazm, ou Mister Kazm, a lui-même, pour des raisons qu'il regarde, démissionné, gros bashing, des résultats médiocres, lui il a très rapidement démissionné, et ben, c'était à l'époque, je ne parle que de lui, vous allez me prendre pour un marteau, mais c'est Bouvard, Boubou, c'était un. Var était jeune et donc il était dans la liste, il est top liste et tout. Et ben voilà, Kazm démissionne. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Nouvelles élections. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, Paul RD, je pense que c'est son nom, a été élu pour un mandat court. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont dû massacrer la génération court. Elle n'avait aucun sens puisque la France était, je pense, déjà éliminée ou sur le point d'être éliminée. Il fallait donc entraîner la nouvelle génération. Ben, donc, Bouvard a sauté, boum, il a eu qu'une cape, mais même pas avec Paul Herdé. Et bon, voilà, c'est la vie, je m'en fous, c'est Fabinho qui a donné une cape, qui était le sélectionneur précédent, je vais y arriver. Et donc, du coup, ben voilà, donc Paul Herdé a été élu, il a terminé le mandat, et il y a eu de nouvelles élections, et là, il a été réélu. Les gens ont considéré, à mon avis, qu'il faisait du bon boulot. Voilà. Je l'ai affronté à cette époque-là, etc. Et voilà, c'est lui qui a été élu. Ok. Donc il y a des précédents, en tout cas, déjà. Il y a un précédent. Il y a un précédent. C'est le seul précédent que je connais. Bon, bien sûr, il y a le départ
de Courbis OM qui s'est fait aussi pour des raisons qui ne regardent. Ça, c'était pour les A. Et donc, il est revenu dans le jeu. Mais voilà. Et en plus, là, je suis en train de lire son poste. J'ai sa tête devant moi à Courbis OM. parce que, donc, je continue ? Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Donc, je trouve qu'il a fait un poste mais vraiment super sympathique pour les gens dans le Café Philo, cet endroit pacifique sur Attrick. Et donc, il a fait une présentation de tous les candidats avec « Est-ce que ma candidature est sérieuse ? Est-ce que je serai à nouveau candidat dans un mois ?» À la limite, je peux vous envoyer le lien. Si tout à vous fait. Voulez, ça sera encore mieux. Ça peut aider les gens qui se poseraient des questions ou qui seraient perdus, par exemple. Ouais, si j'y arrive, parce que j'ai moins de tricks. Mais tu peux, en fait, je pense, pas besoin de passer par moi. En fait, tu peux l'envoyer directement dans le chat, parce que les VIP, nos invités, sont des gens de confiance. Voilà. Et donc, le poste ou le lien Internet ? Comme tu veux. Tu peux mettre le lien, comme ça, c'est plus simple pour que les gens puissent cliquer dessus directement, si tu as le lien. Lien, j'ai fait, mais on sait cliquer là-dessus et aller sur Attrick directement ? T'as fait du copy URL, mais non, ça c'est le lien. Non, mais ça c'est le lien formaté pour les forums. Non, tu. En fait, je pense que Z voulait dire le lien complet avec HTTPS, etc. Mais comme il y a non, mais en fait, comme il y a les serveurs, etc. Ça risque peut-être d'être problématique, mais c'est pas grave. En tout cas, vous, au pire, copiez la fin de ce lien-là sur votre navigateur. Voilà. Voilà. Salut Bob. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, il a fait cette synthèse des candidats. Je trouve ça super intéressant. Là, je suis en train de rechercher la page, en fait. Où est-ce qu'il est ? Ah là là, je suis en direct live, je ne trouve plus la page de... Mais où est-ce qu'il est ? Ah, je l'ai, voilà. Donc, par exemple, il y a des managers très très connus. Il y a un Belge, je passe. Il y a Samy Tranquille, qui est un gars qui revient très très régulièrement. Son message est très sympa. C'est une différence qui ne doit pas en être une pour tous. Je vais y arriver. Une différence qui ne doit pas en être une pour tous. Ah oui, donc Samy, quand il s'exprime, c'est assez haché dans ses propos. C'est un handicapé que j'ai découvert, il est en division 5, etc. Et on a gardé le contact. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il s'est présenté déjà deux fois aux élections et il a vraiment, Alpa l'apprécie énormément, etc. Et donc, il est toujours là et il fait campagne. Et lui, mais Macron est sérieuse. Donc tout le monde a mis que sa candidature est sérieuse, sauf Mister 59 qui hésite entre le oui et le non. Je sais que sa candidature n'est pas sérieuse. Il a un message à faire passer et ça le regarde. Donc il dit pas de prise de tête, mais sérieux par respect pour les proprios. Mais en fait, moi j'ai discuté pratiquement avec tous les candidats, chose que je fais même en temps normal. Je dois parler en codé, c'est vraiment bizarre. Pourquoi ? Attends, pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça en codé ? Mais parce que je peux pas prononcer certains mots. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça, ouais. Ah oui, c'est vrai, par respect envers les autres candidats. Par contre, juste une toute petite précision, je sais pas si c'est la même chose, mais parfois c'est un peu haché la connexion. Je pense qu'on arrive à comprendre ce que tu dis, mais est-ce que tu peux peut-être te rapprocher de si t'as un routeur internet, un truc comme ça ? Je sais pas si c'est ça, mais. De ton wifi, comme on dit. Vas-y, ouais, on va rester. C'est peut-être parce qu'effectivement, t'es loin de ta box internet. Ah oui, d'accord. Oui, ça va être compliqué, ça. Nouveau test. On va voir. Donc, par exemple, il y a quelqu'un de très bien aussi. Il y a Lapin35 qui aurait pu être sélectionneur des A, mais Walter est passé dans les circonstances que l'on connaît. Il tombait sur Zoro au travers de son chemin. Enfin, c'est toute une histoire. Donc Lapin a mis un message où il veut que la France redevienne une nation puissante d'un point de vue sportif, mais également communautaire. Communautaire étant le mot favori de Lapin, de son journal de campagne. Enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement investi sur Attrick et que je vois, s'il continue comme ça, je vois un jour élu, cette fois-ci, une autre fois, mais c'est quelqu'un très investi. Il y a Jog aussi, lui, c'est bon, c'est mon avis. Hein, c'est pour moi une candidature totalement DTN. C'est très sérieux. J'ai vu son journal de camp, j'ai vu sa présentation, etc. C'est vraiment quelqu'un qui sait de quoi il parle et comment dire. On sent qu'il s'est vraiment renseigné et qu'il a déjà constitué un staff. Donc précédemment, il avait fait une autre élection chez Léa, mais vraiment pour rigoler. Et en fait, son humour était un mélange d'humour et de sérieux. Donc du coup, ça a un peu perdu, à mon avis, les électeurs à ce moment-là.
Et c'est quelqu'un que je vois aussi un jour sélectionneur. Alors, il y en a d'autres. Il y a Vaala. Alors, Vaala, mais franchement, ça serait fantastique. Le problème, c'est que, bon, il propose des choses très, très intéressantes, comme un projet de tutorat. Il veut rendre les NT, donc tous ces matchs internationaux, beaucoup plus accessibles. C'est tout à son honneur. Mais c'est quelqu'un qui est méga investi au Liban. Et il a dit, je ne vais pas lâcher le Liban, hein, les gars. C'est juste que je veux présenter, parce que j'aime la France, et je veux qu'on rentre l'ambiance, qu'on explique le jeu des NT sur Hattrick à des gens qui, il y en a certains qui, à mon avis, ne savent pas ce que c'est ou trouvent ça trop compliqué. Je vais essayer d'oublier Voilà, personne. au passage qui a été. Pardon, je te coupe le cochon. Voilà, passage qui a été éliminé en Coupe d'Asie, malheureusement, en quart de finale ce midi, aujourd'hui, quoi. Bien vu, Alpa. Effectivement, ça, c'est Bien vu, bien vu. une triste nouvelle, entre guillemets, pour le Liban, mais bien vu, Alpa. Effectivement, Bien toujours dans vu, bien l'actualité. nouvelle, il a perdu sur le court de 2-0 et le même que Altiner 33, j'oublie son numéro. Non, Altiner 33. J'ai un doute entre 33 et 39. Attends, je vais dire ça tout de suite parce qu'il faut être précis. Qui a Ouais, également. Ouais. Vas-y, il a vas-y. été aussi éliminé sur le score de 2-0 avec l'équipe de Brunei en quart de finale. Donc les deux managers français en quart de finale de Coupe d'Asie ont été éliminés. Ouais. C'est ça. Et pour la précision, pour être sûr, pour le nom, c'est. Oui, Altinor 33. Bien vu, c'était 33. Tu avais raison, Alpha. Ok, merci. Donc également éliminé, effectivement. Donc voilà. Dommage, en tout cas, pour la Coupe d'Asie. Mais ça n'empêche que ça promet peut-être une belle Coupe du Monde la saison prochaine avec ces sélectionneurs-là. Donc voilà, cochon. C'est à Ok, toi. ça, je continue. Ah, mais je vous écoutais. Hein, voilà. Donc, je continue un peu les présentations. Mais il y a des gens super connus là-dedans. Hein. Il y a Obalmaske qui, franchement, voilà, il a été sélectionneur. Elle a été sélectionneur A. Donc, elle se représente ici pour les U21. Bah, pourquoi pas, etc. Et en plus, je l'ai dit sur tous les tons, sur plusieurs forums, etc. Moi, pour moi, récemment, je dis bien récemment, de ceux que je connais des NT françaises, le mandat d'Obalmask plus Walter plus Lapin, c'était fantastique. Les trois candidats, 1, 2, 3, qui ont terminé dans ce rang-là, qui ensemble s'allient pour faire quelque chose ensemble, même si on n'a pas une médaille, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était, à mon niveau, une des meilleures périodes récentes Ok, au en niveau termes national, hein, ouais. d'animation, d'ambiance, etc. Ok. Calimerlo, qu'on ne présente plus, je pense, qui fait énormément de présentations. D'ailleurs, il est marqué dans sa petite présentation, très portée sur la com, Made in Calimerlo. C'est très très drôle ce qu'il écrit, et il est vraiment proche des France. Alors, il y a toute une autre série de personnes. Et malheureusement, j'étais un peu pris de court. J'ai rencontré, enfin rencontré, j'ai discuté avec un Géorgien qui s'est présenté. Ça m'a surpris de voir un Géorgien. J'essaie de retrouver son nom. Comment il s'appelle? Dattaka, qui est en fait un franco-géorgien qui vit en France. Et au début, bon, moi, je pensais qu'on avait affaire à un pur étranger, mais il s'exprime parfaitement en français. Et même si son fil électoral est plutôt sommaire, j'ai discuté avec lui. Et quand on discute avec lui, on se rend compte que le gars est blindé d'expérience. Il est investi à la Jamaïque, il est investi avec la NT Géorgie. C'est un plaisir, voilà, c'est une rencontre, c'est ça que j'aime bien avec les élections, c'est que tu rencontres des managers que tu n'aurais pas l'occasion de discuter. Ben voilà, j'ai rencontré ce Dattaka. J'ai rencontré aussi, vous pouvez me couper à tout moment, Pas parce tout, que je non, trouve que t'écoutes, on boit tes paroles, c'est on voit mes intéressant. paroles. Voilà. J'ai découvert aussi, je pense que c'est Nico le boss. Et en fait, il a beaucoup discuté sur le café philo. Il a une vision très club. Enfin, c'est l'impression qu'il me donnait. Je gère l'équipe nationale comme un club. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est l'idée que ça donnait. Et en fait, ah non, c'est lui qui est en Jamaïque. Pardon. Dattaka est en Géorgie et Nico le boss est adjoint ou a été adjoint en Jamaïque. Pardon, j'ai fait toutes mes confuses. Et donc ce Nico le boss, en fait, j'ai discuté un peu avec lui. Le gars est blindé d'expérience, mais peut-être que les gens ont du mal à communiquer certaines choses et on dit, ben non, le gars il n'y connaît rien. Non, 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 franchement, enfin, voilà,
je connais pas tout son parcours naturellement, c'est un gars avec qui j'ai discuté que très peu, mais il y a des tas de gens comme ça qui sont motivés. Il y a un certain sang du Georges, lui j'ai pas discuté avec. C'est un peu bref, sûr de montrer de nombreux avantages à l'équipe de France. Bon, moi je ne le connais pas, je lui conseille de se présenter, de faire toc 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 à la DTN ou de faire toc 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 dans un staff. Et c'est ça, je dis ça aussi à tout le monde, rentrer dans un staff. Rentrer à la DTN si ça vous amuse de suivre des joueurs, mais franchement, rentrer dans un staff, c'est fantastique. Et je le vis en ce moment avec le Maroc. Vous avez dit, ouais, mais Cochon, t'es expérimenté, t'as fait plein de staff. Oui, mais j'ai fait beaucoup de staff en France. Comment il s'appelait ? Petit Filou, il m'avait donné un poste de sélectionneur adjoint, mais j'ai rien fait du tout. C'était juste pour qu'il y ait mon nom. Donc j'ai souvent été un peu un prête-nom. J'étais superviseur de ceci, superviseur de cela. J'ai une liste, mais dans le truc personnel, etc. Il y a des gens qui me contactent en disant ah, super. C'est une sorte d'emploi fictif, quoi. C'est ça que tu veux dire. Pardon ? C'est un emploi fictif, c'est ça ? J'ai eu un emploi fictif, en France à plusieurs reprises. Au Maroc, en débutant, ils m'ont tellement habitué à me voir zoner autour des noms de joueurs, il y en a un sans... J'avais rien demandé en plus, c'est ça qui est fantastique. Je ne sais plus si c'est Puissanton ou El Pepito ou Andy, enfin un de ceux-là. Et boum, je me retrouve superviseur et donc j'ai commencé à faire des présentations là-bas, des U21. Mais James le fait très très bien et après j'ai vu qu'il n'y avait personne en A et j'ai commencé à faire des présentations à DA. Et je suis rentré récemment lorsque j'ai acheté un joueur, Gazi, qui est le petit copain de Bouvard, et je l'ai acheté comme ça, mais totalement par hasard, pas par hasard, j'ai vu qu'il y avait un joueur international, j'ai dit tiens, j'ai des millions, est-ce qu'il y a un international en péril? Oui, il a plus de forme, boum, j'ai pris Gazi, et du coup j'ai commencé à m'intéresser, mais vraiment au A Maroc, en plus de faire les présentations, j'avais un intérêt, un joueur qui joue sur le terrain, et en plus il a récupéré de la forme, et il a commencé à redevenir international. Et donc du coup, bah, j'ai fait toc 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 pour comme ça, pour entrer vraiment dans le staff, vraiment suivre les discussions des matchs. C'est fantastique. Franchement, c'est fantastique. Je ne pensais pas que je dirais une phrase pareille un jour. Quoi. Je comprends à moitié rien d'un point de vue tactique, mais je m'instruis et bah, des fois je dis, j'interviens, je dis des trucs, etc. Ça les fait rigoler, mais des fois j'ai des vraies interventions. Et je conseille à tout, je ne demande pas à tout le monde de rentrer en France, quoi, mais vraiment, si vous avez l'occasion d'aller dans un petit pays, de rentrer dans un staff et de vivre de près. Là, ici, en plus, ça se passe bien. On a le quart de finale contre le Sénégal. Donc, on a eu les éliminatoires juste avant, les poules, le stress, gagner, perdre. Enfin, c'est fantastique. Voilà. Ok. Attention, Cochon, on a, comme ça, tu sais, on a quelques petites rubriques des autres invités. Donc, je ne veux pas te presser du tout, hein, mais donc, on va enchaîner tout doucement. Mais donc, termine juste parce que, donc, par rapport aux élections, hein, histoire de vraiment traiter tout le monde, qu'on n'oublie personne, tu vois, c'est surtout ça. Je l'ai oublié. Il y a Gastounet, mais je ne connais pas. Alors, il a mis une sombre histoire de jeu et de mascotte. Bref, j'ai rien compris. Je ne connais pas trop ce okay. manager. J'ai déjà vu passer. Il y a Joro74. Excusez-moi, Joro74. il est là pour simplement faire le taf pour préparer le prochain mandat. Et il y a peut-être d'autres managers qui, depuis, se sont présentés, mais Courbis OM met ce poste à jour. Ah oui, et très important, les élections sont méga courtes. Lundi, il y aura un sélectionneur. C'est ça, exactement. Donc, il faut voter maintenant, quoi. Et voter pour qui vous voulez. Exactement, c'est ça. Et voilà. Donc là, on a fait un bon petit tour. Et à toi-même aussi, mais sans vanter quoi que ce soit. Comme ça, on a fait le tour de tout le monde en tout cas. Tu te présentes aussi, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça. J'ai cru voir ton nom passer dans la liste. C'est ça, ok. Et donc voilà. Donc, mais par contre, bonne précision. Hein. Bonne précision, c'est que c'est jusque lundi. Donc si vous voulez voter. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y en a vraiment pour. C'est pas jusque lundi. Lundi, 7h du matin. Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, oui, vous allez jusque. Enfin, ouais, voter jusque dimanche, on va dire, effectivement, mais on va dire techniquement lundi. Lundi, 2h du matin, pour être exact. C'est ça, voilà. Voilà. À 2h du matin, le sélectionneur. 2h du matin. Lundi. Ah, 2h, ok. Je ne savais pas. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, franchement, de ce que tu as dit, de ce qu'on peut voir sur le forum, c'est qu'il y a vraiment, il y a de tout, en tout cas, et c'est ça qui est chouette, c'est que là, vous pouvez faire votre choix. Il y a beaucoup, beaucoup de candidatures, en tout cas, et c'est chouette, en tout cas, de voir qu'il y a beaucoup de candidatures.
Donc maintenant, bah, votez bien. En tout cas, votez pour la personne qui vous convient. N'hésitez pas, si vous ne suivez pas les équipes nationales, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le forum. Hein. Là, de toute façon, il y a des messages partout pour les élections. En tout cas, vous voyez partout des pseudos, etc. Donc n'hésitez pas. Et alors, je vais juste dire bonjour à Andy, Scalper et Popette. C'est vrai qu'on ne l'a même pas salué. Super Squeak. Est-ce que j'ai raté personne? Et alors, par contre, France, effectivement, qui nous a dit dans 30 minutes, Sénégal-Maroc. Et alors, on suit les matchs rapidement hein, en fil rouge au-dessus. On ne fait pas spécialement quand il y a des buts, etc. Mais c'est vrai qu'on avait oublié de mettre Sénégal-Maroc. Donc, tu as bien fait de nous le dire parce que ça aurait été vraiment dommage de rater ce match-là. Donc, on l'a rajouté, bien évidemment, aussi. Et donc, ah voilà. Oui, là, il y a Papi Moujo qui en peut plus. Enfin, le pauvre. Ah ouais, le match n'est pas encore commencé, je pense, parce que je n'ai pas trop suivi. Là, il est 20h35. J'ai oublié l'heure du démarrage de ce match. Mais voilà. C'est ça. Ok, écoute Cochon, en tout cas c'était un bon petit rappel pour tout le monde, pour les élections. Voilà, je ne sais pas si encore un petit mot peut-être avant de passer à la suite. Moi je suis toujours dans les parages, si tu as un trou, tu peux me réinviter et je parle de l'interview de Jabot qui m'a énormément marqué. Et tu sais quoi, attends, avec toi on va faire la prochaine rubrique, parce que je sais que t'aimes bien les noms, les prénoms, les pseudos, okay. Les choses comme ça. Il faut savoir qu'en fait, on a reçu un message écrit, donc on va le diffuser bien évidemment. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est l'émission dernière ou celle d'avant. Je crois que c'est l'émission dernière où Hongdu avait demandé en fait l'origine des pseudos de Z, de Darcel et de Alpa. Est-ce que tu as entendu ça, Cochon, ou est-ce que tu étais peut-être pas là à ce moment-là, hein? C'est possible aussi. J'ai entendu parler de ça. Mais je crois que oui, j'ai donné ma date d'anniversaire. Je crois que je suis un des premiers à te l'avoir envoyé. Il y a aussi la date d'anniversaire, tout à fait. Mais Hongdu nous demandait donc c'était quoi l'origine du pseudo d'Apidu, Z et Alpa. Et moi j'avais demandé à Hongdu, j'avais dit, dans ce cas-là, toi aussi, dis-nous c'est quoi l'origine de ton pseudo, comme ça on saura aussi. Et Hongdu a répondu et donc il nous a envoyé un petit message qu'on va pouvoir diffuser ce soir. Et donc il explique, ma compagne a des origines étrangères et mon véritable prénom est imprononçable pour sa famille. Bon, il ne s'est pas dit son véritable prénom, par contre, mais bon, voilà. Un jour, j'ai demandé à ce qu'on me donne un surnom et le mot Hongdu vient de là. Littéralement, cela veut dire haricot rouge en mandarin. Donc voilà, maintenant, si vous voyez Hongdu sur les forums, vous pouvez l'appeler haricot rouge, c'est bon. Et c'est aussi le titre d'un poème célèbre. J'imagine que ma belle famille a voulu faire un peu d'humour. En Chine, il n'y a pas de prénom à proprement parler. C'est en général une suite de deux idéogrammes avec une dimension assez symbolique, car les caractères choisis pour donner un prénom sont aussi des mots de la vie de tous les jours. Donc pas mal, comme Hongdu, ça vient de loin. Le pseudo, c'est la belle famille, en tout cas, qui... Voilà, c'est haricot rouge maintenant pour les intimes. C'est drôle. Et donc voilà, comme ça on sait. Et alors Hongdu, juste qui précise aussi, et donc ça c'est toujours dans l'actualité aussi finalement, il dit une petite pensée également pour Siskouf suite aux événements de ces derniers jours. J'espère pouvoir l'entendre un jour sur HT Actu et je lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Alors il faut savoir qu'on l'a déjà entendu sur HT Actu, on l'a déjà reçu comme invité et on l'a déjà reçu aussi comme chroniqueur en fait deux trois fois. Donc voilà, c'est vrai que c'est un plaisir en tout cas quand on l'avait reçu à l'antenne. Et voilà, petite pensée effectivement parce qu'on parle beaucoup des élections, de Siskouf qui part et tout. Voilà, petite pensée aussi pour lui. Pensez pour tout le monde, voilà, tout simplement. Voilà. Et donc voilà en tout cas pour Hongdu, l'origine de son pseudo. Et salut à cette kill aussi qui vient d'arriver sur le chat. Et donc voilà, merci beaucoup Cochon. Pas de soucis, je reste là. Ça marche. On va juste te demander de sortir. le videur. Je suis le gardien du temple. Je suis le gardien du temple technique, on va dire. Donc oui, juste pour laisser la place aux prochains qui arriveront après une petite rubrique. Ça marche, merci beaucoup Cochon Star en tout cas. On reste merci. En contact Cochon. Merci Salut. Beaucoup. Sortez Monsieur Cochon, nous dit cette kill. Merci Cochon, tu dégages maintenant. Voilà. C'est le chat, c'est le chat. On essaye de faire ça bien, il y a de la technique, il y a plein de choses, c'est vrai qu'on essaye de faire ça bien. Mais non, Cochon, vous voyez, c'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Mais c'est juste que nous, d'un point de vue technique, on aime bien. Alors, et on le remercie parce que je pense que maintenant il nous écoute. Et on bien sûr, un énorme merci à Cochon truc. Qui est le premier et à s'être lancé. Comme tout le monde, il est le bienvenu. Hein, comme tout le monde, il est le bienvenu. Mais ne me faites pas dire que je dis aux gens vous dégagez. Quoi. Mais non, pas du tout. Il n'y a pas de souci. Maintenant, tout le monde dégage, c'est fini. Allez, on sort, je fais le videur. C'est le principe de la radio. De toute façon, il y a des gens qui viennent, des gens qui partent. C'est comme ça. C'est avec plaisir qu'on a eu Cochon. Merci beaucoup pour. C'est le premier à être passé de toute façon avec nous. Il y aura d'autres personnes qui vont passer. Alors, en tout cas, en deuxième partie d'émission, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont passer, dont une personne que vous n'avez encore jamais entendue sur HT Actu. Alors, je mets la pression bien évidemment sur cette personne si elle m'écoute. Je suis désolé, mais je suis tellement content de recevoir des nouveaux invités aussi. Cette qui, alors c'est bien parce qu'on va pouvoir refaire une petite précision parce que c'est très important de dire ça. HT Actu reçoit les candidats aux élections maintenant. Bien évidemment que non. On reçoit Cochon qui a voulu parler des élections de manière générale, mais c'est vrai qu'on ne parle pas des élections en tant que... En tout cas, les gens ne peuvent pas parler des élections en tant que candidat. Nous, on reste très neutre par rapport à ça et ça serait pas fair play en tout cas envers les gens qui ne pourraient pas passer à l'antenne pour une raison X ou Y. Donc non, on n'a pas reçu Cochon comme candidat, mais on a reçu Cochon comme...
chroniqueur qui a voulu parler des élections. Bien évidemment, nous on soutient personne, mais vraiment, il n'y a personne qu'on soutient, donc on commence pas à dire on soutient un tel ou un tel, pas du tout, nous on reste très neutre par rapport à tout ça, on ne veut pas influencer dans les élections, donc voilà, votez Sedan, ça c'est important, voilà. donc voilà, si vous voulez toujours passer à l'antenne, si vous voulez aussi parler, il reste toujours un petit peu de place, n'hésitez pas, faites vite, hein, parce que le temps passe quand même. Alors, d'ici 5 minutes, on fera une petite pause et on aura un petit message vocal d'une dizaine de minutes de... Je crois qu'on peut déjà le dire, de Vahala, voilà, qui a voulu participer en fait à la Libre Antenne et qui s'est dit, bah, malheureusement, je ne serai pas là ce soir, mais je vais vous faire un petit message. Et donc, il va parler de différentes choses. C'est une sorte de petite capsule qu'il nous a envoyée oralement. Et donc, ça, on vous passera ça pendant la pause. Et en attendant, je pense qu'on peut passer à un autre message qu'on a reçu. On a quand même reçu quelques petits messages. Ah, c'est un message un peu long et un peu compliqué à passer à l'antenne en écrit, bien évidemment. Mais je vais vous le lire dans ce cas-là. Alors, attention, accrochez-vous. Est-ce que vous allez bien dans le chat ? Pendant que je prépare toutes mes fiches, etc. Est-ce que vous allez bien ? Et Zed, est-ce que ça va aussi ? Ça va, tranquille, moi je suis là, je lis, j'écoute. Mais je suis toujours là et je n'hésiterai pas à réagir. Bien évidemment, bien évidemment. Dans le chat, ça dit Vroom, ça dit copain, ça dit oui, on va bien. Zed Kill, ça fait plaisir en tout cas de te revoir ici. Sedan a gagné son premier match la semaine dernière. Félicitations Sedan, en tout cas. Ok, ça va dans le chat, ça se passe bien, les gens ont l'air bien. Et donc c'est un message de Petit Filou qu'on a reçu. Alors Petit Filou qu'on a déjà reçu également aussi dans l'émission bien évidemment. Et en fait il voulait faire une petite précision, donc il dit même si 99%, 99% ça dépend, français, belge, même si 99% ou 99% du temps je ne suis pas là le vendredi soir, je suis vos émissions en replay, c'est cool. Donc déjà merci beaucoup Petit Filou. J'étais mort de rire devant la dernière rubrique de Zed. Voilà, je dis quand même parce que je pense que c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'on se marre toujours avec les rubriques de Zed, tout seul dans mon coin d'ailleurs. Quelques précisions, il y a deux émissions, vous parliez des forfaits en équipe nationale. Et c'est parfait parce qu'on enchaîne toujours avec les équipes nationales, donc on reste un peu dans le thème, en tout cas des élections, des équipes nationales. Donc voilà, petit Filou qui nous fait donc des petites précisions, qui nous dit, c'est Lolo Az qui a été le premier en France à être célèbre pour ça dans ce match de compétition le 7 du 12 2007. Donc les forfaits en équipe nationale, hein. Donc c'est Lolo Az qui a été le premier en France à être célèbre pour ça. Pas de compo envoyé lors de ce deuxième match de la France au premier tour de Coupe du Monde. C'était l'ancien format, bien évidemment. Avec ce message mythique, alors je vais juste mettre le lien, enfin pas le lien, mais ça sera le message à aller voir sur le forum. On retraitera peut-être de ce sujet, parce que c'est vrai que Tifidou a fait un beau petit message où il explique tout. Peut-être que la semaine prochaine, on refera un petit tour pour faire plus en écrit, en mettant des print screens, des choses comme ça. Mais on va quand même vous en parler là maintenant, en tout cas pour ce qui a été dit. L'explication, il avait validé à l'époque une compo vide en pic au cours de la semaine et avait voulu utiliser l'arrosatrique. Envoyer une compo avec la compo par défaut après la fin de validation de l'envoi des compos. Ça permettait en fait de valider une compo encore après l'envoi des compos, hein, si je ne dis pas n'importe quoi. Mais l'arrosatrique ne fonctionne que si on n'a encore enregistré aucune compo. Si une compo est enregistrée pour un certain match, la compo par défaut ne peut plus marcher. Ok ? Et donc, autre forfait célèbre, ceux de Google. Il dit, vous en aviez parlé, qui a réussi l'exploit d'en réaliser deux lors de son mandat. Donc il nous met les deux matchs. On reverra tout ça la semaine prochaine plus en détail hein, par rapport au match. Mais c'était en match amical et paraît-il qu'il était coincé derrière un tracteur. Alors ça, c'est une histoire, je pense, que beaucoup de gens ont déjà entendu parler. Ouais, même moi, j'avais entendu parler de ça vaguement, en tout cas l'histoire du tracteur. Et alors, la France a aussi bénéficié une fois de ce genre de mésaventure, de mésaventure, lors de la J1 contre l'Allemagne en U20 en saison 59 sous la direction de Castor Paresseux, avec une victoire 5-0 par forfait contre un 0-0-0 Motz de l'Allemagne. Donc, c'est quand même pas mal. Le sélectionneur adverse n'avait pas rentré de compo et la compo par défaut était une compo de l'ancien mandat où ils avaient gagné 6-2 en finale des U20. Seul problème, les joueurs de cette compo par défaut n'étaient plus là. Dernière précision suite à l'émission de la semaine dernière. Donc, petit Filou en tout cas nous fait plein de précisions. Hein. Melon Charles présenté lors du jeu de Darcel. Donc, je sais pas si ceux qui étaient présents en fait, on avait fait un jeu où. Comment s'appelait déjà Z le jeu ? C'était. Comme le jeu de société, j'ai un trou de mémoire. Le qui est-ce ? Ouais, c'est ça, le qui est-ce. Dernière précision suite à l'émission de la semaine dernière. Melon Charles présenté lors du jeu de Darcel pour l'avoir vu en IRL il y a plus de 10 ans, IRL parisienne en 2010 si je ne me trompe pas, et bien un personnage barbu et non une femme, à barbe point d'interrogation. Il fait partie de la liste des nombreux managers hommes ayant un avatar de femme. Je peux en citer quelques autres mais je ne vais pas les dénoncer hein, une idée de dossier à traiter pour vous. Bon, ça c'est une petite parenthèse, donc voilà. Et ben merci beaucoup Petit Filou pour toutes ces précisions, en tout cas il y a de quoi dire. Je pense que ça permettrait, en fait, ça serait la possibilité de faire vraiment une sorte de dossier, entre guillemets, sur tout ce qu'il a écrit, parce que c'est intéressant, en fait, les forfaits en équipe nationale.
C'est pas Lolo A, c'est Gougou le tracteur. Ouais, tout à fait, Alpa, tout à fait. C'est Lolo A, c'était le premier à être célèbre pour faire un forfait en match de compétition. Et Gougou, il en avait réalisé deux lors de son mandat, dont la fois avec le tracteur, bien évidemment. Bon, les pénaux, c'est toujours le même qui est diffusé. Alors, oui et non. Désolé, ce qu'elle fait, répète. Il y en a deux différents, parce qu'il y a celui où on marque et celui où on ne marque pas. Bon, ça, c'est vrai que dans un futur, on pourrait voir pour en mettre plus, mais bon, faut s'imaginer que c'était prise de tête à mettre ça en place. Hein. Un Z. Tout à fait. On avait passé, je me souviens, une petite soirée à faire ça. On avait passé une soirée. Parce que faut s'imaginer qu'on relie quand même les points de chaîne sur Twitch avec quelque chose qui génère des vidéos à côté, machin. Enfin, on se rend pas compte, c'est un bordel. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de chaînes Twitch qui permettent de faire ça avec des points de chaîne. Hein. Je vais pas dire qu'on est précurseur, mais disons qu'on s'était bien cassé la tête pour faire un truc un peu spécial, quoi. Tout ça pour deux vidéos, hein, bien évidemment. Donc, rien de fou. Et donc voilà, c'est la mi-temps des matchs internationaux. On a mis quelques matchs hein, au-dessus, vous avez vu, en fil rouge. Alors, les deux premiers matchs, c'était parce que c'est bien évidemment la Coupe d'Europe. On avait mis Pays-Bas-Roumanie et Angleterre-Portugal. Les Pays-Bas mènent 1-0 et le Portugal mène 2-1 face à l'Angleterre. Parce que c'est quand même les quarts de finale et c'est quand même important de suivre ces matchs-là. Mais en deuxième période, on va suivre des matchs très intéressants. Il y aura la Côte d'Ivoire contre l'Afrique du Sud et le Sénégal face au Maroc, entre autres, bien évidemment, qu'on va suivre. Et nous, c'est peut-être l'occasion de faire une petite pause. Est-ce que ça te dit, Z, d'aller boire un verre? Tout à fait. Moi, ce que je te propose, c'est que... Comment est-ce qu'on va faire ça? On va... Attendez, on va faire ça bien. On va faire ça bien. Z, si tu peux m'aider à combler un petit peu, si tu peux dire quelque chose au chat. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu proposes alors? Mais moi, ce que je proposais, c'est que de toute façon, on va pas mettre l'écran de pause, on va laisser l'écran là, sauf que nous, on va se muter pour faire passer le son à l'antenne qui dure 8 minutes 30. Voilà, comme ça tout le monde le sait. D'accord. Tu peux mettre un petit compteur peut-être ou pas? Je comptais juste mettre un petit message pour expliquer ce que c'était pour les gens qui nous rejoindraient en plein milieu en fait et qui ne savent pas que c'est une capsule audio. Donc voilà, capsule audio de Valhalla. On revient après. Vous voyez, on fait tout ça comme on peut. Hein. Vite fait, bien fait. C'est donc, improvisé voilà. Ce soir. C'est l'émission bordélique ce soir. Merci beaucoup à Valhalla d'avoir fait cette petite capsule audio d'ailleurs parce que c'est intéressant. Il parle de différents sujets. Et nous voilà, nous on se coupe et on revient dans 8 minutes 30 exactement pour la suite de l'émission. A tout de suite Z, à tout de suite Alpa, à tout de suite le chat. Tout de suite. Bonsoir à tous, c'est Valhalla, je suis ravi d'avoir été invité à faire une petite capsule pour la libre antenne de ce soir suite à l'impossibilité de réaliser l'émission d'HT Actu dans les conditions habituelles. L'actualité elle est hyper riche en moment sur le hat-trick francophone. Et la principale actualité, c'est le départ précipité de notre cher Siskouf suite à une énième altercation sur le forum. À mon sens, il avait déjà décidé de prendre ses distances avec Atric, mais pas forcément de cette façon-là. Et puis bon, moi, ça me désole de le voir partir comme ça, parce que ça a été un manager hyper important, tant sur le plan des équipes nationales, hein, avec plusieurs mandats au U21, le dernier, pas forcément le plus réussi, c'est certain, et également en individuel, hein, suffit quand même d'aller sur sa page, je vous invite à regarder son armoire de trophées, c'est pas grand monde qui a eu une telle réussite que lui au niveau individuel. Je vous invite aussi à regarder hein, les joueurs qui l'a mis en vente. Il faisait une formation pour les A de l'équipe de France qui était juste formidable. Et les MVA qu'il a dans ses trois équipes, c'est franchement du très haut niveau. Moi, par exemple, hein, au Liban, j'en ai pas un seul qui est comme ça, quoi. Donc, grosse perte. En plus, on n'a pas pu avoir une sorte de bilan qu'il aurait peut-être pu nous faire de ses différentes expériences. Donc, c'est franchement hyper, hyper dommage. Moi, je suis hyper déçu de ce départ dans ces conditions-là. Et comme si c'était pas suffisant déjà son départ, élection. Ça crée une nouvelle campagne électorale pour les 6 matchs amicaux à gérer par la France. Alors ça, franchement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'avait vu venir.
Et c'est une belle cacophonie hein, qu'on a sur les forums avec une multitude de candidatures. Bon, je trouve ça assez formidable hein, de voir un peu bah, qui s'intéresse, qui propose des sujets et des candidatures sérieuses, qui propose des candidatures un peu plus fun, même si on voit que derrière, il y a quand même un petit peu de sérieux. Et puis, des candidatures juste pour voir si les gens lisent le fil de candidature ou votent un peu par hasard. Donc ça, c'est assez amusant, je trouve. Ça donne un peu de vie et de souffle au Forum France, qui est toujours intéressant. Et concernant personnellement, bah, comme demandé par Dapidou, je ne parlerai pas longuement de mon projet communautaire qu'on mène avec plusieurs managers, mais je vous invite évidemment à me contacter en MP ou sur le Discord ou sur mon fil de candidature si ça vous intéresse et si vous voulez qu'on échange autour de tout ça. Et pour finir bah, ma petite capsule, évidemment j'ai envie de faire un focus là, sur les quarts de finale en Asian Cup. On a Brunet hein, qui est géré par un manager francophone au doux nom de Haltiner33 qui, à l'heure où je vous parle, fait 0-0 contre Israël avec une compo en 5-3-2 CA qui était assez probable vu le TS catastrophique que sa sortie de poule lui laisse, parce que ouais, il était dans une poule difficile, il a dû taper un peu dans le TS pour être premier. Ça lui permet d'être en quart, mais ça donne des petites difficultés effectivement bah, sur l'approche de match. Et Israël a évidemment bien lu tout ça en venant en 2-5-3, probablement un 2-5-3 pique, et avec des fortes chances de passer en demi-finale en ayant pique en quart. Donc intéressant à voir ce que donne la deuxième mi-temps. En tout cas, pour l'instant, ça fait 0-0. Il a toutes ses chances à suivre. Ce soir, vous aurez probablement le dénouement de ça. Et qu'est-ce que j'aimerais le voir passer en demi. Ce serait vraiment formidable. Nous concernant bah, avec le Liban... On était en fait dans une situation assez similaire. Alors notre TS était beaucoup moins bas, mais avec une franche différence par rapport à la Géorgie qui a roulé lui sur sa poule en ayant fait playing cool sur tous ses matchs sauf un en J4, je crois qu'il avait fait un pin. Et en sortant avec 28 points, enfin vraiment... Grosse performance sur les poules et du coup bah, il arrive avec une équipe intrinsèquement meilleure que la nôtre, un TS meilleur. Bon bah comme on s'y attendait, hein, un 3-5-2, probablement en playing cool, qui sort une jolie note de milieu. Et nous bah, on avait prévu de jouer la seule compo qui nous permettrait d'avoir un bon pourcentage de chance si jamais. La Géorgie faisait une petite erreur tactique en essayant de nous voir sur une CA, donc en venant soit en 3-4-2, en 3-4-3 pardon, ou en 2-5-3. Donc on avait sorti un gros 3-5-2 Axel sur une aile gauche en abandonnant complètement notre défense droite et notre attaque droite, et avec une grosse note de milieu puisqu'on est en most. Hein. On fait du magique magique bas, je crois, au début de la partie. Mais bon, bah, le playing coup géorgien est très performant. Hein. Il est à mythique très bas. Donc ça donne que bah, là, à la mi-temps, on perd 2-0. Hein. Après, la répartition des occasions est un peu difficile pour nous puisqu'il est, lui, à 5 occasions. Donc, on en a pressé une avec notre milieu défensif. Costaud. Bon, c'est comme ça, on a l'équipe la plus faible, c'est normal, il n'y a pas de problème. Par contre, ce soir, vous allez pouvoir suivre un grand match entre le Sénégal et le Maroc, donc géré par Papy Moujou, et le Sénégal géré par Jabot, donc c'est-à-dire deux francophones. Et là, pour le coup, c'est tout l'inverse. Hein. Le Maroc a
une équipe absolument parfaite pour aller chercher l'or, hein, qui est bien gérée par Papy depuis pas mal de saisons, qui a un TS qui est à fond et qui affronte donc le Sénégal de Jabo. Alors ça vaut le coup d'aller voir l'équipe du Sénégal. Donc elle est gérée par Jabo et Mister Oscar qui utilise une technique assez particulière dans les national teams, c'est-à-dire 1-3-5-2, jeu créatif, forever ou presque. Hein. C'est surprenant. Alors après, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ce soir, sachant qu'ils ont un TS qui est absolument affreux et qu'ils vont se faire manger au milieu par le Maroc. C'est intéressant. Il y a un beau boulevard pour le Maroc pour aller chercher une médaille d'or en Afrique. Donc vraiment, c'est le match à suivre de la soirée. C'est à partir de 21h. Bon voilà, moi je vais finir ma capsule là-dessus, puis vous souhaitez à tous un excellent week-end. Allez, salut à tous. Et merci beaucoup à Vaala pour cette belle capsule justement audio qui permet de faire la transition parfaite vers le prochain match qui va arriver, Sénégal-Maroc, comme vous avez entendu, avec deux beaux sélectionneurs qu'on connaît en tout cas bien ici dans la communauté, sur le chat, etc. Donc Papy Mougeot face à Jabout. Plus ou moins, on va dire, il y a des staffs, etc., bien évidemment. Amis du soir, bonsoir. Bonsoir à Paula Chichi. J'imagine que c'est peut-être Paulach qui est là, donc voilà. Voilà, très intéressant. Il a abordé plein de sujets différents. Alors bon, c'est dur parce que malheureusement, il ne pouvait pas être présent avec nous ce soir. Je pense qu'il aurait bien, aimé. Mais parce que c'est vrai qu'on aurait pu en parler de manière plus large, en tout cas. Mais c'était intéressant, c'était sympa. En tout cas, donc merci beaucoup à lui pour son message. Et donc voilà, je vois que dans le chat, vous êtes toujours là. On va avoir des invités qui vont... Alors, on va avoir deux invités en même temps qui vont arriver d'ici un petit quart d'heure, normalement. Je pense que c'était prévu dans un quart d'heure. Donc, on a encore un peu de temps. Zed, est-ce que tu es là? Oui, tout à fait. Je suis toujours là. Toujours vivant. Magnifique, magnifique. Survivant. Est-ce qu'on joue peut-être avec les gens en attendant nos invités? Un petit jeu? Oui, tu as une idée de jeu? Tout à fait. J'avais mis ça... Je savais pas si tu avais vu dans Discord, j'avais mis l'idée de jeu. Mais bon, j'ai peut-être mis dans le mauvais message. Ce n'est pas grave. Vous vous rappelez le jeu avec les lettres en fait, qu'on choisit une lettre et il faut trouver quelque chose en rapport avec Atrik en fait de manière générale. Est-ce que dans le chat vous vous rappelez de ça? On va voir si les gens... Darcel, c'est Darcel qui est avec moi, tout à fait, hein, comme dit Cochon Star. Tout à fait, bonjour, je m'appelle Darcel. Alors oui, je vois que c'est kill, mais oui, etc. Et donc on va rejouer à ce jeu, sauf que vous allez voir, on l'a adapté pour ce soir. Attention, gros travail qui a été fait de notre côté, bien évidemment, pour adapter le jeu. Donc, on vous met l'écran ici, ok? Et c'est à vous de jouer, bien évidemment. Alors, première question. Alors, vous allez voir, ces questions, ça va vous dire quelque chose, mais il y a toujours une petite subtilité qui est importante. Attention. Donc, premier... est-ce qu'on fait un copier-coller? Je pense qu'on va faire un petit copier-coller. Hein. Est-ce que vous voulez gagner 10 crédits aussi? Bien sûr, hein, je pense. Hein, Z, on va offrir 10 crédits pour, nos, ouais, pour le vainqueur. Bah, je suis d'avis. De toute façon, on ne peut pas faire une émission sans ces fameux 10 crédits. Hein. Bien sûr. Attendez, ne commencez pas à jouer. Ça va pas commencer. Là, c'est pas levé. On n'a pas encore généré la lettre. On n'a pas encore généré la lettre. Et en plus, vous savez quoi? Ceux qui ont mis Vaala, ça marcherait même pas. Pourquoi? Vous allez voir. Attention. Et les gens, ils se rappellent un peu des questions, j'ai l'impression, quand même. Je vais mettre dans le chat. Attention. Donc... Attends, je vais d'abord choisir la lettre et puis après mettre dans le chat. Je pense que c'est plus logique dans ce sens-là. Ouais, les gens sont trop chauds dans le chat. Mais bon, bref. C'est la lettre Q. Ah, c'est pas facile par contre. Et c'est donner le nom d'un manager à Trick qui n'a rien à voir avec les élections. Vous allez voir la subtilité, c'est que... ça va être tout le temps comme ça. Donc un manager à Trick mais qui n'a rien à voir avec les élections actuelles. Mais qui commence par la lettre Q. Et ce n'est pas mon cul dans ce cas-là. C'est qui commence par la lettre Q. Kenavo75, alors c'est possible, franchement c'est possible, je vais juste aller vérifier. Désolé, hein, je fais quand même confiance généralement aux gens, mais là je ne peux pas, bref. Comment est-ce qu'on va faire? Bon, on va vérifier ensemble directement, vous savez quoi, on va ici, utilisateur, paf, Kenavo. Eh ben non, désolé, ça ne marche pas, ça aurait pu. Alors nous avons Kubrick, on va regarder avec vous directement. Non, il n'y a pas de Kubrick. Je pense qu'ils vont te mener en bateau sur toutes les questions. Ouais, je pense. Quoi Batrat? Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et je pense pas l'avoir vu, en tout cas, dans les élections françaises. Donc, accepté. On accepte. Et c'est donc un point pour 7 kills. Je crois que je vais détester ce jeu. Scalperipopette n'aime aucun de nos jeux, faut savoir.
Non, mais celui-là, il est quand même un peu sympa, ça va. Faut juste des bonnes lettres, en fait, tout se joue sur les lettres. Donc, vous avez compris le principe. Maintenant, je vais vous demander un terme technique hat-trick. Ok. Donc, spécialité, caractéristique, un mot qu'on peut retrouver dans le manuel de manière générale, mais qui ne touche pas du tout aux élections. C'est important. Donc, nous, on veut vraiment pas qu'on parle des élections là, maintenant. Et donc, ça sera la lettre E. Pour élection. Oh, j'avoue que c'est vraiment... Élection, ça aurait pu aller s'il n'y avait pas cette précision, c'est vrai. Kitadesk, j'épinais. Endurance. Et Apache. Après, il faut être endurant pour les élections. Mais non, parce que c'est les petites élections, donc il ne faut pas être endurant. Donc tu as raison, Apache, un point pour Apache, bien évidemment. Bravo Apache. Attention, prochaine question. Alors pour ceux qui se rappellent, on a repris les mêmes questions, sauf qu'on a rajouté pas les élections après à chaque fois, bien évidemment. Ça, c'est le petit secret. On veut un nom d'un manager qui a été sélectionneur national de n'importe quel pays A ou I21 et qui n'est pas un candidat aux élections actuelles. Donc ça, c'est un peu tordu, mais vous avez compris. Avec c'est la lettre... élection, quoi, en fait. Avec la lettre X. Attends, on est gâtés au niveau des lettres. Q, X, on a vraiment les lettres les moins faciles. Le mot Scrabble. Xixig, Xav... Attendez. J'aime bien quand il y a Alpa qui est avec nous, parce que lui, c'est vraiment la bible du jeu. Là, moi, c'est là maintenant où je vais être perdu un petit peu. Attendez, on va regarder tout ça. On va regarder le pseudo. Est-ce que des gens peuvent confirmer aussi dans le chat? Soyez sympa avec nous, bien évidemment. Hein. S'il y a quelqu'un qui vous semble bien. Cochonstein va confirmer que sa réponse est bonne, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Xixi, ça m'étonne. Attends, Xixi, non. Attends, mais non, rien à voir. Il n'y a pas de Xixi. Xav13, alors. Xav13, ça existe, hein, bien évidemment. Ah non, ça existe sur le chat, mais Xav13 n'est pas Xav13 dans le jeu. Xorglob, ça on va dire non. Xolaj, Kozoxonstar, Xochonstar, Xeremand, XLX, Xarbit. Ok, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver que le chat ne soit pas en forme ou. En fait, peut-être que techniquement, il n'y en a pas aussi, c'est possible. Ça me semblerait bizarre, mais c'est possible. Xilinax. Ah, Alpa, attendez. Alpa, on va quand même regarder, mais. Non, ça va être. Référence que je n'ai pas, bien évidemment. Xapidu, vous me saoulez avec ce jeu, en fait. On a un autre candidat dans le chat. Non, on parle pas des élections. Non, je n'ai pas lu ce message, attention. ok, vous l'avez pas. Pas de souci. Attention, prochaine question. Le nom de famille d'un joueur de l'équipe de France A ou U21. Ok. Mais qui n'est pas un joueur qui appartient à un candidat aux élections. Important ce petit détail. Avec la lettre M. Genre Bouvard, ça n'irait pas, par exemple. Par M. Ça, y a moyen. Faut juste chercher dans les équipes nationales, bien évidemment. C'est les France, la France A ou U21, donc... Donc voilà, je vais juste regarder vite fait. Équipe de France, par M. En plus, il y a moyen de trouver comme ça. On a quoi Meurice... Attends, je pense que c'est... Bon, je prends juste deux petites secondes, mais on va vérifier par nom de famille. Et donc, non. Et alors, ah ouais, c'est vrai que quand on est tout seul, c'est pas facile, hein, j'avoue, pour chercher. Non, j'ai pas de Meurice, par contre. Mathias, Moussard. Oups, désolé. Ah oui, par contre, si je fais une recherche et qu'il n'y a rien, ça va être désagréable le bruit pour vous. J'ai dit quoi? C'était le nom de famille. Donc ça, c'est pas le nom de famille de Mathias. Et alors, Moussard. Attendez, on va y arriver. Sébastien Moussard, bien évidemment, Yacht, qui a en tout cas trouvé. Yacht, un point. Meurice était un vieux gardien, je crois. Ah ouais, mais attends, c'est vrai que la question est un peu vache parce que... Attends. Le nom de famille d'un joueur de l'équipe de France A ou I21, mais qui n'est pas un joueur qui appartient à un candidat. Ouais, c'est vrai que c'est... Est-ce que c'est dans le passé ou dans le présent? C'est vrai que moi, je voyais ça dans le présent, mais maintenant... moi je pense qu'on donne un point à Yacht et un point à Apache dans ce cas-là. Parce que la question, c'est vrai qu'elle est un peu ambiguë, on peut pas savoir si c'est nouveau ou ancien, etc. Donc on donne un point aux deux en tout cas. Non mais c'était Meurice avec C en fait. Ouais mais par contre, ouais, ok. Mais j'avoue que franchement si c'est dit de mémoire, c'est quand même pas mal, tu vois. Franchement c'est quand même pas mal, si c'est dit de mémoire, c'est... Mais bon. Allez on est sympa, on donne un point aux deux. Nom d'un pays sur Hat-Trick. Alors attention. Nom d'un pays sur Hat-Trick qui n'a pas d'élection actuellement. Je vous avoue que j'espère vraiment tomber sur la lettre F. Hein, donc on va voir l'aléatoire ce qu'il va donner.
Ah non, ah les cookies, super. Non, la lettre S. Donc en tout cas, n'importe quel pays, quoi. Ça veut dire n'importe quel pays qui commence par la lettre S. Voilà, la Suède. La Suède, très bien. Le jeu, bien évidemment, la mère patrie, hein, comme on peut l'appeler sur Hattrick. Et c'est bien la Suède, tout à fait. Et on enchaîne, il ne reste plus que deux questions, donc ne vous en faites pas, c'est bientôt fini ce supplice. La lettre doit se retrouver dans le pseudo d'un officiel Hattrick, mais qui n'a rien à voir avec des élections. Ok ? Donc la lettre doit se retrouver dans le nom, hein, donc elle ne doit pas commencer par le nom, elle doit juste se retrouver dans le nom. Hein, genre un exemple. Ah ouais, non, je n'ai pas donné d'exemple parce que ça va d'office tomber sur ça. Non, pas d'exemple, c'est comme ça. Le U. Ah bah mon exemple, voilà, n'aurait pas. Genre Ella Alpa, si on tombait sur le P, bah Ella Alpa, ça fonctionnait par exemple. Donc le U. Vivement la fin de ce jeu de. Comment ça ? Attends, c'est un bon jeu, franchement. Les gens aiment bien ce jeu. C'est un rageux, Scalperi Puppet. Hein. C'est vrai. Ça. On l'aime bien, mais c'est un rageux quand même. Mon U sur la commode, non. U sur la commode, non. Ça serait un sacré pseudo pour un officiel, mais. GM. Amadeus. Alors, on va vérifier vite fait, mais je. Alors, GM Amadeus, on regarde, attention. Et donc, c'est. Validé, c'est un GM brésilien. C'est Yote. Bien vu, Yote. On avait acheté Guzzi. Ah, il y avait Filou aussi, c'est vrai qu'il y avait mode Filou, effectivement. GM Ojusco aussi. C'est les lettres qui ne sont pas top, en fait. Ouais, c'est vrai que les lettres, on n'a pas de chance. Là, c'est toujours mieux que la dernière fois, on avait toujours les deux ou trois mêmes lettres qui tombaient à chaque fois. Donc là, au moins, il y a un peu des lettres différentes. Et attention, dernière question. Peut-être un petit récapitulatif des scores, Z. Oui, bien sûr. Alors, je suis en train de renoter. Donc, pour l'instant, on a 7 kills et Polacici qui ont 1 point chacun. Et on a. Pardon, je recommence. Excusez-moi, j'étais. Pas de soucis, vas-y. Je suis parce que je vois que nos prochains invités sont déjà prêts. Donc, pour info, s'ils nous entendent, On arrive. Et on va regarder un petit peu à ce qui se passe. Donc, 7 kills et Polacici ont 1 point chacun. Et Apache et Yacht ont 2 points. Donc pour l'instant, c'est Apache et Yacht qui sont en tête. Sinon, pour nos invités, s'ils nous entendent, j'arrive juste après le quiz pour regarder avec vous, pour vous faire venir à l'antenne. Mais on va pas les faire attendre plus longtemps, on va faire la dernière question rapidement. Il semblerait qu'il y ait quelques soucis, mais on va régler ça. Bazette, au pire, tu n'hésites pas à gérer ça. Faut que je fasse les points. La lettre doit se retrouver dans le pseudo d'un invité que nous avons reçu dans l'émission et qui n'est pas touché par les élections. Et ça sera par la lettre L. Si Scalpel Puppet, c'est la dernière question. Et après, on aura des nouveaux invités. Ce sera deux invités. On aura deux invités en même temps. Et Galwayan qui a raison. Et Galwayan, bien vu Galwayan qui remporte ce point. Ella Alpa aussi, effectivement. 7 kills aussi. Là, on va avoir un souci. Dis-moi parce qu'on va avoir un ex-écho. Ah. Et bien, tu sais quoi? On demandera à nos invités s'ils ont une idée de question. Comme ça, le problème, c'est que un de nos invités, je pense, est une personne qui est un ex-écho. Ah. Parce qu'on va recevoir quelqu'un que tu as vu, et quand tu regardes un petit peu la liste, je pense qu'il y a quelqu'un qui a joué un de nos invités avec un autre pseudo, mais ça a l'air similaire. Donc, et ben, on demandera à l'autre invité, mais je pense qu'on va essayer de les faire venir tout doucement quand même, hein, pour profiter de ce sujet. Sinon, on donne 5 points chacun, on verra, mais peut-être donner 5 points à chacun, sinon. C'est exceptionnellement, ça. Aujourd'hui, on a deux vainqueurs. On ne peut pas donner par 5 crédits, c'est minimum 10 quand même. Si tu parles des crédits, hein. Mais Ou alors on donne 10 à chacun. Oui, on va voir tout ça, bien évidemment. Bien évidemment. Donc attendez, moi je fais juste. Je termine ceci, je m'absente et puis je reviens dans un instant. Pas de soucis. Bon, le chat, vous avez été bon en tout cas pour ce jeu. C'est pas facile, mais. Donne à Apache, pas de soucis. Je me rappelle même plus c'est qui au niveau des points. J'imagine que. Attendez, j'ai peut-être les scores ici. Ah mais non, mais c'est Apache et Yacht en fait au niveau des points qui sont à égalité. C'est pas un potentiel invité qu'on va recevoir, donc en fait je crois qu'il n'y a aucun souci. Je pense que Z s'est trompé, donc on pourra faire une dernière question pour vous départager. Donne à Apache, pas de souci, je donne. Non, on va vous départager, ne vous en faites pas, on va voir pour vous départager. Donc voilà. Donc on va recevoir deux invités pour le prix d'un, ça c'est incroyable. Alors les invités, comment vous les présentez? Est-ce que vous avez une idée de qui c'est? Ah, on me dit ça a coupé. Est-ce que dans le chat vous pouvez me dire si je suis encore en live? Dites-moi si vous m'entendez toujours. Est-ce que ça a coupé? Non, Alpa. Ok, donc ça va, tout va bien. Oui, ça a coupé. Ah, ça a coupé chez des gens, mais pas chez tout le monde, c'est ça? C'est revenu. Ok, parfait. Donc, est-ce que vous avez une idée de qui seront nos prochains invités? Et bonsoir à Ongdou. On a lu ton message, Ongdou. Hein. Maintenant, on connaît l'origine de ton pseudo qui est. Ah, j'ai un trou de mémoire. Attendez.
Attendez, faut que j'aille voir ça là tout de suite. C'était rouge quelque chose c'était un... Attends, je n'en dis pas plus. Haricot rouge, c'était ça, exactement. Bonsoir, haricot rouge. Ouais, merci Scalperi Popette, ouais, ça. Et Sénégal-Maroc, ça joue. Donc ça, on va aller voir les matchs internationaux, ne vous en faites pas. Est-ce que vous avez une idée des deux prochains invités qu'on va recevoir? Alors, il y en a un qu'on a, je pense, déjà reçu. Enfin, c'est sûr qu'on l'a déjà reçu, pardon. Et un autre qu'on n'a jamais reçu encore. Alors, on me dit oui dans le chat, mais n'hésitez pas à me dire des... On t'entend. Ok, ça va. Donc, tout est revenu. Je suis désolé si j'ai la voix qui est un peu cassée, hein, mais bon, c'est, voilà, c'est l'hiver, ça peut arriver parfois. Côte d'Ivoire 0-0 contre Afrique du Sud. Et Sénégal-Maroc 0-0 aussi pour l'instant, en tout cas au niveau des scores. Et j'ai toujours le doute si ça a coupé ou pas, mais bon, comme vous parlez dans le chat, je pense que ça n'a pas coupé dans ce cas-là. Vous en faites pas, on terminera le quiz, hein, de toute façon, c'est important. Et je vois que Z, en tout cas, est en plein test avec les invités. À mon avis, il est en train de vérifier que tout fonctionne bien, donc c'est cool. En tout cas, Z qui assure derrière, donc même si on le voit pas, il fait son travail, parce qu'il est bien rémunéré pour faire le travail qu'il fait, Z, bien évidemment. Ah, Z, t'es là, mince, j'étais en train de dire des choses... Je suis revenu. je suis revenu avec du beau monde, que je te laisse présenter, Dapidu. Donc, deux invités. Le premier, on va commencer, parce qu'on l'a déjà reçu dans l'émission, mais ça nous fait plaisir. Et je pense que c'était toi dans le chat, c'est Polach. Salut, Polach. Oui. Bonsoir. C'était bien toi, un Polachichi, dans le chat. Oui, mais en fait, j'ai un peu du mal à retenir mes mots de passe. Ok. À chaque fois, je dois faire des nouveaux comptes. Ok, pas de souci. Mais comme ça, on sait. Je me disais bien, il y avait. Tu vois, ça mettait la puce à l'oreille. C'était pas si loin comme de Polage, donc forcément. Et un deuxième invité. C'est le nom d'un de mes clubs. Ok, d'accord. Et tu es venu aussi accompagné d'un invité qu'on a encore jamais reçu. Et c'est donc Cessui du 1000. Salut Cessui. Ouais, Cessui du 1004. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en tout cas dans l'émission. Et donc, il a bien précisé que ça se prononce « Cessui ». Ah, pardon. J'ai écorché son pseudo, il me l'a dit, il a bien raison. Donc, ça, c'est notre invité, c'est « Cessui ». Eh bien, excuse-moi, parce que je pense que j'ai toujours prononcé très mal. Alors, maintenant, je ferai attention la prochaine fois, en tout cas. Et c'est 1004 et pas 1000. C'est « Cessui » du 1004, ouais. Ok, bah, comme ça, je vais vraiment faire attention dans ce cas-là. Mais en tout cas, bienvenue, ça fait plaisir de t'entendre pour la première fois, en tout cas. Mais j'espère que tu es content d'être là. Bah, ça fait bizarre, mais c'est cool. Est-ce que vous avez le chat aussi? Vous avez tout ce qu'il faut pour passer un bon moment? Donc n'hésitez pas, vous mettez Twitch, vous coupez le son, comme ça vous pouvez voir les gens dans le chat parler. Et c'est toujours bien, en tout cas pour le confort. Je ne sais pas si vous avez suivi là, les 5 dernières minutes, on a fait un petit jeu. Alors j'ai suivi, j'ai marqué un point. C'est vrai. Mais après j'ai même dû deux, partir. Même deux. J'ai marqué deux points. Ah non, tu as mis un point, pardon. Ah non, voilà, j'ai confondu, tu as mis un point, oui, effectivement. Donc l'idée que d'habitude tu avais... Peut-être. Vous allez trouver la dernière question pour départager Yacht et Apache. Est-ce que vous avez une idée de question? Voilà, comme ça on termine le quiz et puis après on passera. Tout à fait, après on passera à vous plus en détail, bien évidemment. Mais... Avec le générateur de lettres L. Non, là on va. En fait, on va. Je pense que vous dites d'abord la question, puis on génère la lettre après, hein, si ça va pour vous. Ok. Donc suivant la logique, je sais pas si tu as écouté l'émission avant de venir. Non, mais on pourrait dire, je sais pas, un joueur de l'équipe de France hat-trick qui a joué des matchs avec Walter là, les qualifs. Allez, un joueur de l'équipe nationale qui a joué sous les ordres de Walter Formica. Très bien, moi et ça me semble une très bonne question. Il y a que Apache et Yacht qui participent, s'il vous plaît. Tout à fait. Départager. En tout cas, c'est le premier des deux qui va bien répondre, qui aura et le point. Donc par contre, oui. La lettre qui va apparaître sera la deuxième lettre du nom de famille. Ok, ça va. Ouais, c'est bien, comme ça, tu... Ok, alors attention, vous êtes prêts? Attention. C'est le Z. Ouais, c'est ça, c'est parti, c'est le J. Ah, le J, c'est chaud quand même, quoi. Attends. Ou alors la deuxième, ou alors un nombre pair des lettres du nom de famille, tu vois. 2, 4, 6, 8. Ça devient compliqué. Non, mais J, c'est impossible qu'un nom de famille ait en deuxième lettre J. Enfin, c'est compliqué, tu vois, je pense. On va voir. En tout cas, je vais aller sur la page de l'équipe de France déjà. Regarde si tu envoies, effectivement, et si tu n'envoies pas, bon, on générera une autre lettre. Non, ou alors on peut mettre une autre question, comme un joueur de l'équipe de Côte d'Ivoire dont c'est la première lettre du prénom. Allez, on fait ça. Bingo, parce qu'en plus, ça sera un peu le fil rouge, effectivement. On change tout, hein, ne vous en faites pas dans le chat. De toute façon, ils n'en trouvaient pas. On va faire ça, ok. Le nom d'un joueur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Le prénom, ok. Vous en avez un en tête? Enfin, il y en a un qui existe, vous me confirmez quand même? Oui, il y en a un. Ça va. Alors, on a Jean. Non, mais il faut le nom complet du joueur. Ah, le nom complet, attention, le nom complet. C'est pire que le jeu pyramide. Mais non, pas du tout. Ouais, c'est vrai qu'on change un peu les règles comme ça, mais bon. J'allais dire, là, ça vient, pour ceux qui connaissent, ça devient un peu Camoulox, en fait, surtout.
Il est même sur le terrain. Parce qu'on va parler, bien évidemment. On va parler Jean de. Dis Jean le nom complet, je ne pense pas que ce soit. Est-ce que vous trouvez dans le chat? Est-ce que vous êtes bon? Montrez que vous êtes bon à nos invités quand même. J'en ai le nom tout à fait complet. Non, ok, les gens ne veulent pas trouver. Après, c'est entre Yacht et Apache. C'est vrai que. C'est les, ça, c'est les autres font juste du troll en fait. C'est du troll gratuit quoi, de la part des autres personnes. Est-ce qu'ils jouent encore? Est-ce que Yacht et Apache sont encore là? On les voit pas beaucoup. Oui, c'est ça en fait. Est-ce qu'ils sont encore connectés d'ailleurs? Bah, écoutez, je les vois toujours moi, dans la liste des membres. Bah, ils sont peut-être en train de rechercher, donc on va voir. On va attendre encore un tout petit peu, puis sinon, bah, ça sera un match nul, hein, je pense, dans ce cas-là. Et alors, moi, ça me permet de préparer tout ce c'est qu'il bon, faut. Il y a une réponse qui est bonne. De Yacht. Yacht qui a mis Jules Babou, c'est ça? Alors, c'était pas lui que je pensais, mais oui, en effet. Ok. C'est bien, c'est bien. Et bah c'est Yacht qui remporte les 10 crédits. Bien joué Yacht, dis juste dans le chat si tu veux les 10 crédits ou si tu veux les donner, mais et nous après on s'occupera de tout ça en tout cas. Donc bravo à Yacht en tout cas. Et donc voilà, pour... faut lui donner parce qu'il a mis Jules Yépé en deuxième réponse, hein, donc voilà, c'est parfait. Donc faut savoir que Jules Yépé c'est un joueur de Palatch, c'est pour ça qu'il avait besoin de... Ah c'est pour ça, ok, c'était... oui c'était... Il y avait une raison, bravo quoi, bravo. Et donc t'as un joueur qui joue ce soir, Polat, c'est ça hein? Non, j'en ai deux. T'en as même deux? Ah oui, carrément, ok. Ok, cool. Cool. Plus deux autres qui sont issus d'une académie d'un de mes autres clubs. Ok, ok, donc tu es un fournisseur officiel de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire sur cette génération. Et donc vous êtes là justement pour parler, je pense, entre autres, enfin de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Mmh. Ok. Oui, okay. Avec plaisir, on parle avec plaisir de la Côte d'Ivoire. C'est assez intéressant. Il y a le deuxième quart qu'on vit en A. Et on a aussi un quart qu'on a fait en U21. On a touché le bronze en U21 il y a, je crois, 5 saisons, un truc comme ça. Ok. Puis là, le dernier quart, on a fini en argent. Et là, on a un quart contre une équipe d'Afrique du Sud qui est légèrement devant au milieu. Faut pas rêver. Hein. On savait qu'on allait être un peu derrière au milieu. Ok. Mais qui, elle, jouait pour sa première médaille. Nous, on a déjà eu deux breloques. Et je trouve assez bien le move de Rudy qui a osé jouer le pin en se disant ben, il va pas mots malgré la médaille. Puis c'est ce qu'a fait notre adversaire sud-africain, il a pin. Donc là, on est un peu derrière au milieu, mais on va y croire, malgré la S ratée. Ok, j'affiche le match effectivement à l'écran hein, pour qu'on puisse voir les notes de secteur. Franchement, vous êtes ouais, légèrement derrière au milieu, mais après les notes d'attaque sont sympas quand même de votre côté, enfin du côté de la Côte d'Ivoire en tout cas. Oui, alors on avait remarqué en regardant des fils portales et autres, enfin j'ai remarqué qu'il a des latéraux qui ont de la constru. Donc je pense que s'il a mis ses latéraux en offensif. Effectivement. Attention, une transversale tendue, ça, c'est chaud ça. Non, c'est bon, c'est un SE rapide. Bon. Ah non, c'est pas un SE, c'est une interception, c'est une occasion pour nous. Alors on va laisser l'action, attention, il peut pénétrer la surface. Mais je crois que c'est du mauvais côté. Ouais, bon c'est pas grave. Elle est repoussée par la barre transversale, tout va bien, ça c'est comme les pénaltys tirés par Scalpel et Popette sur le chat. C'est la transversale, donc tout va bien. Voilà, en gros, oui. En gros pour booster son milieu, je pense qu'il a mis ses latéraux en offensif. Puis nous ça nous donne un peu une ouverture sur sa défense. Mais c'est pas. Je trouve que c'est un move qui nous avantage plus nous que lui. Ok. Plutôt que d'avoir laissé ses Koukamé pilotes en normal. Après, ok. Il a un défenseur central super fort, genre double 17 minimum. Lethal. Et ça, c'est lourd quand même. J'avoue. Peut-être juste pour expliquer aux gens pourquoi. Comment est-ce que vous êtes retrouvé impliqué, en tout cas dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, peut-être pour. Pour les gens qui posent la question. Ah mince, ça a l'air peut-être. Alors je commence parce que moi c'est plus rapide, c'est okay. Ceci qui m'a fait venir. Ok, ouais, c'est vrai que ceci ça fait un petit moment que voilà. Ouais, c'est vrai. Et ok, donc tu as été invité par ceci et tu as accepté l'invitation, donc c'est un peu ça j'imagine. J'ai cédé au lobbying. Ok, le lobbying puissant. Non, mais moi ça fait un bail. En fait au départ ça part de Drogba et de l'OM. Ok. Drogba et l'OM, ensuite l'épopée de la Côte d'Ivoire jusqu'à la Coupe du Monde 2006. Avec la qualification à la dernière seconde sur un pénalty camerounais à côté de Womé, si je ne me trompe pas. Donc là, on est sur foot IRL. Hein. Donc j'étais un gosse, j'étais fan de la Côte d'Ivoire. Puis quand j'ai joué sur Hattrick en 2013, il y a eu ses débuts de deuxième équipe. Et puis un peu avant, je voulais m'impliquer dans une équipe nationale autre que la Suisse. En Suisse, on parle allemand, c'est pas cool.
sur un trick, donc j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai eu Ok. le premier mandat U20 à l'époque, avec un manager qui s'appelait Bad Tast. On se qualifie pour. Bah, à l'époque, c'était vraiment un tour qualificatif avec 8 équipes du monde entier. Puis après tour 2, la Côte d'Ivoire s'est jamais qualifiée, on se qualifie, donc c'était assez cool. Et du coup, bah, dès le moment où il y a eu les deuxièmes équipes, c'était logique que j'aille en Côte d'Ivoire pour tout ça. Après, j'ai aucun lien avec le pays, hein. J'ai pas. Ma femme n'est pas ivoirienne, j'ai pas d'origine ni ivoirienne ni d'Afrique, hein. Je suis suisse avec quelques petites origines italiennes. Ok. Voilà. Je suis parti du même lobby qu'Alpin, on va dire, bon, je rigole. Et du coup, je me suis investi pendant de longues années, au début à l'animation, puis après gentiment au suivi des joueurs. Puis bah voilà, de fil en aiguille, ça fait un moment que je suis en Côte d'Ivoire. Et là, je suis très fier parce que c'est d'être le premier mandat depuis un long moment où je suis pas avec un joueur dedans. Il n'y a pas de joueur de mon équipe. Ok. C'est quand même assez intéressant ça. Mais ça montre que la formation marche bien dans ce cas-là, ça montre qu'il y a un... Ouais, ça marche bien, mais il faut toujours qu'il y ait beaucoup de gens qui s'investissent. Parce que c'est Ok. beaucoup de travail de pouvoir trouver des joueurs qui sont bien formés du début à la fin. Là, je suis en stress, il y a une occasion adverse. Ouais, t'inquiète, on comprend s'il y a du bien évidemment place Mais au direct. Je vois qu'il y a beaucoup de francophones dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est toi, ton lobbying, qui les a fait venir ou comment ça s'est passé? Tu vois, il y a Kesserou, Polatch, Petit Bac, Titoun, Smile, bon, Rudy le sélectionneur. Mikal, Rudy, ouais. Mikal aussi, effectivement. Je vois qu'il y a Dédé Zabribri aussi. Est-ce que c'est toi qui les as fait venir ou comment ça s'est passé tout ça? Comment ça se fait qu'il y a autant de francophones en tout cas qui sont investis en Côte d'Ivoire? En parallèle de la Côte d'Ivoire, donc ce que je vous parlais du début, j'étais en 2013. Oui. C'est devenu encore. Là, je regarde juste ce qui se passe. Je pense que. Oh là là, Comment il va y avoir une S costaud pour l'Afrique du Sud, j'aime pas ça. Alors attention, donc l'action, Côte d'Ivoire passe là, c'est dans le centre du Ah, terrain. ça pue vite quand même. Et voilà, 1-0 pour l'Afrique du Sud. Bon, c'est pas grave. Aïe, C'est ok, comme il reste ça. du temps encore, il reste encore du temps. Ouais. Mais en gros, après, bah, je me suis intéressé à l'équipe de France parce que c'est francophone. Alors que, historiquement, j'ai lâché toutes les larmes de mon corps quand j'avais 9 ans en 98. Hein. J'étais pour le Brésil, mais bon, c'est pas grave. J'ai C'est lâché, vrai. je trouvais intéressant de Ok. m'investir en France. Et puis, bah, à l'époque, Polatch, il était DTN latéraux, c'est juste, non? Alors la DTN, à part les gardiens, je crois que j'ai tout fait. Ouais. Donc c'était possible en tout cas. Il était DTN là, puis bah, de fil en aiguille, on se connaît, on fait un mandat. C'était à l'époque, le manager s'appelait Govou. Ok. Oh putain, c'est vieux. Ouais, Non, c'est je devais vieux, faire hein. c'était les ailiers, je pense, que j'avais à ce moment-là. Ok. Et puis, bah, on s'est connus par plusieurs petits mandats. À peu près, il y a des gens qui se groupent. Là, mon Polatch, mais je vais pas faire un roman pour chaque membre. Puis il y a des gens qui viennent s'investir. Kessero, il s'est investi. Plein de gens sont investis à leur échelle. Faut toujours pas oublier que bah, c'est comme en France, hein, on est bénévole. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Puis on a un peu un vivier qui est beaucoup moins grand qu'en France. Donc on se laisse aussi le loisir de se dire que si des fois on n'a pas le temps, si des fois on n'arrive pas à suivre picobello tous les joueurs, bah, il faut pouvoir l'accepter. Ok. Du coup, bah, de fil en aiguille, il y a des gens qui viennent, qui peuvent donner un coup de main, puis c'est très précieux. Par exemple, Titoun Smil, il nous a donné un coup de main pour restructurer un peu les attaquants. Ça a été super. Il y a aussi JM Palo qui est là depuis un long moment. Bah, JM Palo et Kesserou, ils étaient là lors de mon premier mandat, on était encore sur l'ancien. Enfin, mon premier mandat A, quand on était encore sur l'ancien mode de Coupe du Monde. On a fait un T3, on a battu l'Italie après 28 matchs sans défaite de l'Italie. C'était un miracle, hein. On a fait un vol qualifié. Mais c'est des bons moments. Puis ces bons moments, après, ils fédèrent, quoi. Faut pas déconner. On peut le voir aussi avec le Maroc ou d'autres pays francophones. Dès le moments où il y a une DTN qui vit des bons moments entre elles, ben, les gens après ils se soutiennent, ils continuent à être ensemble. Puis c'est ce qui se passe là, quoi. Là, par exemple, sur ce mandat, ben, on n'avait pas grand monde qui voulait se motiver et tout. Puis Rudy, d'un coup, il a dit ben, j'y vais, je suis chaud. Puis il nous a pondu pas mal de bonnes compos. Et puis on passe de bons moments, quoi. Des vendredis assez chargés, toujours. Ouais, c'est bien. Normal. Et avec une belle compétition qui, pour l'instant, bah, on espère va continuer encore, au moins 2-3 matchs dans ce cas-là. On va voir. Il nous faut des bonnes occasions aux bons endroits. Exactement. Et la saison prochaine, une Coupe du Monde qu'on va suivre aussi avec intérêt, voir de quoi la Côte d'Ivoire est capable aussi face à d'autres équipes. En tout cas, ça peut être très intéressant à suivre.
Ouais, on aimerait bien passer CT1, quoi. Ça serait quand même assez cool. Ah, D'arriver clairement. dans ces phases à 4 et pouvoir vivre une fois une phase à 4 à un match aller-retour qui peut être très intéressante à gérer au niveau de la tactique. Clairement. Si dans le chat vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Profitez-en. On voit souvent des bouis dans le chat. Bah là, je vois Super Squeak qui met un Ouais. petit bouis d'éléphant. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions pour nos invités. Bah, il a raison, Super Sweet. Bouy, ça vient, ça date de plus de 10 ans. Mais il y a une HD légende de la radio qui s'appelait DDR, qui a commencé en Côte d'Ivoire à l'époque, mais oh là là, ça date. Ça date, ça date. Et puis ce bouy, c'est vraiment l'imitation. Hein. Je vais faire un peu mieux. Bouy! C'est l'imitation d'un éléphant. Je crois que c'était assez clair, vu comme je l'ai fait. Ouais, on a reconnu l'éléphant en tout cas. Galwayan peut confirmer, hein, lui qui est pro animaux. Galwayan, est-ce que tu peux nous confirmer que c'était bien l'éléphant? Je vois le pas qui rigole, en tout cas, c'est pas sympa le pas. Ah oui, il a le droit, il a le droit. Il a le droit parce qu'il a chanté, tu vois, donc ça va, il peut. Et il a chanté, puis il donne des coups de main aussi. Ouais, Alpa vous aide Il est aussi. retiré du monde DMT, mais je pense que de temps en temps, il vient donner un petit coup de main pour juste pas qu'on oublie une coquille dans un ordre. Des trucs comme ça, c'est cool, quoi. Ah, Alpa, Pour renforcer incroyable. le milieu. Ok. Pour ajouter Ouais, mais 0,25 au toujours milieu. renforcer le milieu, je suis aussi d'accord avec toi. En tout C'est un peu un leitmotiv. cas, c'est confirmé par Galwayan, c'est bien l'éléphant. Il dit oui, c'est vrai, c'est l'éléphant, donc ça va, ça c'est bien. L'imitation est déjà très bonne en tout cas. Ouais, puis Donc Paulette, j'en profite Paulette, pour je faire pense une qu'on est du petite bon pub. quand même. Oui, petite pub, Vas-y. oui. Ouais, pardon, du coup, vas-y, je te laisse terminer, après je ferai ma petite pub pour notre Didier Drogba OM Champions Project. Ah ouais, normal. Mais Paulette, il a quand même formé du lourd parce qu'il est champion, de la Coupe de Côte d'Ivoire pour cette saison. Il a eu de la malchance pendant cette saison avant pour pas avoir un seul titre, mais là il l'a eu. Ok. Et puis bah, Issa Yako, son ailier là qui joue à droite aujourd'hui, qui est le capitaine, bah, c'est lui qui a donné la première médaille en 1-1 dans la prolongation de du dernier quart de finale de CAN qu'on a fait. Ok. Donc on pourra dire à jamais le premier. C'est Il y a ça. une médaille en 1-1. Voilà, Yepes, c'est aussi un immense joueur. Il a vraiment cherché à former des milieux vers l'aile quand on a réfléchi ensemble sur la formation. Vraiment une idée qui puisse être milieu vers l'aile et ailier. Et ben, comme vous le voyez là, ça se passe plutôt pas mal, même si on est mené. On espère que ça va revenir. Ok. Vas-y, Popo. Et oui, donc du coup, je voulais parler rapidement d'un projet de génération dorée qu'on est en train de mettre en place en Côte d'Ivoire. Donc tout ça, c'est parti de l'anniversaire d'Hattrick, et plus exactement des équipes anniversaires, où donc il y a plein de gens qui jouent le sportif pour finir premier comme l'ont imaginé les HT. Mais on est un certain nombre à avoir pris des équipes HT anniversaires dans l'unique but de former des joueurs pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc grossièrement parlant, à quoi ça ressemble? Ben, c'est 2-3 saisons où on entraîne un peu tout et n'importe quoi dans l'unique but de faire du pognon. Et d'ici une demi-saison à une saison et demie, là tu me corriges si je dis une connerie, ça suit. Comment? Une saison et 3 semaines. Faut se caler sur la finale des U20 qui doit avoir lieu dans, je sais pas, 3 4 semaines, tout Voilà, bêtement. donc dans à peu près une saison. Acheter les meilleurs joueurs possibles à tous les postes, bah, plus on sera nombreux, mieux ce sera. De manière à les mener d'abord vers des bons résultats en U21. Et ensuite, bah, là, avec la fin des équipes achetées à Nive, réussir à se les repasser les uns aux autres pour les mener ensuite vers les A et avoir une génération dorée qui joue les deux tableaux, à savoir les U21 et les A. Donc concrètement, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce timing-là? Parce que les équipes achetées à Nive vont disparaître à peu près au moment où les joueurs qui sortent dans une saison termineront leur période U21. Ok. Ça permet vraiment d'optimiser au maximum ces équipes achetées à Nive et ensuite bah, de les récupérer dans d'autres équipes. Donc là, par exemple, avec mon équipe là, qui a actuellement Yako et Yepé, donc elle est. On va dire qu'elle est à peu près au plus haut de ce qu'elle peut faire. Là, t'as Yepé qui a 32 ans comme tu l'affiches. Donc j'en ai un autre qui est un petit peu plus jeune. Donc ça veut dire qu'elle a encore, on va dire, 2 saisons et demie devant elle. Et après, elle va commencer à décliner. Donc j'ai 2 saisons et demie à jouer avec cette équipe. Puis je vais certainement tout revendre, sauf les bébés de la maison. Refaire du pognon pour ensuite acheter les joueurs qui sortiront de U21 avec les équipes achetées anniversaire.
Donc tout ça pour dire que si vous avez soit une équipe achetée à Nîmes dont vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à nous contacter pour participer à ce projet, pour mener l'équipe vers les U21. Et autrement, si vous avez une équipe plus pérenne qui d'ici 5-6 saisons sera au début d'un nouveau cycle, n'hésitez pas à contacter aussi pour mener ces futurs joueurs vers les sommets en A. Voilà, c'était le petit moment publicité. Non mais c'est bien, et c'est vrai que c'est intéressant de faire ça. C'est vrai que les équipes anniversaires, ça permet également de faire des choses en ce style. Enfin, ça peut permettre en fait d'avoir un club gratuitement pour d'autres personnes, enfin entre guillemets, et donc ça peut aussi, comment dire, améliorer le pool de joueurs d'une nation. Enfin, je sais que c'est pas exactement ça que vous faites, mais en tout cas, ça peut être dans l'idée des clubs anniversaires aussi. Je vois qu'il y a... Oui. Pardon, ça suit. Je peux me permettre quand même d'essayer de vivre une bonne Coupe du Monde. Après, c'est assez marrant parce qu'on a, on a beaucoup de joueurs de la génération Coupe du Monde qui sont investis, donc beaucoup d'équipes achetées anniversaire. On a une dizaine de managers qui sont dessus, même un Suédois, c'est assez cool. Ah ouais. Mais le seul problème qu'on rencontre, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir des équipes de Coupe Continentale. Puis là, on est 2-3 managers. Moi, j'ai une équipe pour la Coupe Continentale, une équipe pour la Coupe du Monde. Et ce qui va se passer, c'est que si on passe pas la Coupe Continentale, bah, on fera une magnifique Coupe des Nations. Ça serait quand même un peu con, si je peux me permettre. Non, c'est vrai. Donc, comme dit Polach, on cherche des managers pour reprendre les joueurs à la fin. On cherche des managers qui veulent s'investir, mais équipe HTA ou pas. Ça veut dire que si vous ne savez pas quoi faire de votre boot et que vous êtes intéressé par reformer des internationaux, prenez un petit Ivoirien, on vous le trouve facile, avec beaucoup de plaisir. Et puis l'avantage par rapport à la France ou à un autre pays qu'une grosse HT Nation, c'est que le vivier est moins grand. Ça veut dire que si vous formez un Ivoirien, la chance qu'il joue et puis qu'il participe, si vous le formez bien, elles sont grandes. Par rapport à la France, où bah, vous pouvez avoir un joueur meilleur que l'Ivoirien, mais la concurrence fait que c'est chaud, quoi. C'est vrai. Enfin, moi, je suis désigné en France, il y en a une bonne dizaine d'ébés qui peuvent prétendre au poste. Au Côte d'Ivoire, alors qu'on a Zabribri, il fait du gros taf sur les ailiers, on en a 5, 6, tout pété, puis le 6e, c'est pas le plus beau du carrosse. Si je peux me permettre. Non, tout à fait, tout donc à fait. Voilà. Il y a un avantage à former des petites nations, que ce soit le Maroc, je sais que le Bénin, il y a des Français qui sont investis aussi. Je vais être honnête, je fais une pub pour les autres pays d'Afrique où il y a des gens investis. Mmh. La Tunisie aussi, un gros big up à Waïd d'ailleurs. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à former des joueurs de nations africaines avec sérieux, parce qu'après, vous pouvez vivre des trucs assez sympas, comme votre joueur qui met un but qui donne une médaille. Ouais, j'avoue que ça, c'est beau. Et ça va faire plaisir, à mon avis. Et c'est effectivement, comme tu dis, je confirme. C'est plus probable, effectivement, dans une petite nation, entre guillemets. Il y a plus de chances que ça arrive, que le joueur soit sélectionné. Et pour là, je peux confirmer, effectivement. C'est ton joueur qui a marqué, c'est ça, hein, qui a donné la médaille, en fait. C'est ça. Ouais, ça doit être beau, hein. Ça doit être beau à vivre, ça. Ça doit être sympa. Clairement, surtout qu'il avait vécu un mandat précédent un peu plombé avec une forme toute pourrie. Ce n'est pas très sympa en club non plus. Ouais. Et voilà, réussir à passer 15 saisons à l'entraîner pour au final le voir réussir à avoir la bonne forme, avoir des bons résultats, puis aller jusqu'à la médaille, c'est clair que ça fait plaisir. Clairement. J'ai vu que tu gérais bien le chat, hein, parce qu'il y a des questions dans le chat, donc on va prendre vos questions. Il y a une petite question qui est... Excuse-moi, je te pique tout. Non, vas-y. Donc c'est une question pour ce suivi. Est-ce que Alfred Zawi déclenche beaucoup de SE avec sa spé chef d'orchestre ou, est-ce que c'est... ou alors, est-ce que ça serait juste un gars qu'on a pris comme s'il était sans spé? Moi, c'est un peu comme un clown, là, à force, parce que j'ai toujours pas vu. Mais en fait... Je connais plus mes accès, je suis désolé, je peux pas être sûr de chat, mais Ongdou, en quelques mots, je n'ai jamais vu déclencher l'aspect, j'aimerais bien qu'il le fasse une fois, ça m'intéresserait, mais je l'ai jamais vu en live, donc non. Puis là, on avait grosse question entre le mettre lui et puis un autre attaquant plus expérimenté qui s'appelait Baron, mais il nous a gagné 0,25 au milieu de Zawi. Après, je vois que Puissanton, il est sur le chat. Il ne faut pas qu'on donne trop d'infos non plus, parce que si on se rencontre dans 2 jours ou dans 7... Ah, c'est possible. Attends. On va regarder non, ça. Non, mais je déconne. Ouais, non, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, tu vois. Pas grave. Il peut prendre le dos, ce Puissanton. Il n'y a pas de souci. mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais vu déclencher de S. D'ailleurs, ce serait pas mal ce soir. Oula, mais je sais pas si Zawi, c'est un bon nom de famille. J'avais un joueur, moi, qui s'appelait Kaba Zawi, qui était un joueur très qui était un peu mon joueur totem de ma deuxième équipe.
Mais maintenant, je l'ai rebooté, je fais avec d'autres joueurs. Mais... Donc Zaoui va nous porter chance. Ok, bon, on l'espère en tout cas. J'ai eu un peu peur parce que j'étais sur, tu vois, les phases finales, quart de finale, demi-finale, finale, et je voyais qu'il y avait déjà Afrique du Sud et Nigeria qui étaient marqués là. Mais c'est vrai qu'en fait, non, en fait, ça va. C'est pas un spoiler. Je pense qu'en gros, c'est juste le fait que, comme les nations mènent, elles sont mises dans la suite du tableau, mais ça ne veut rien dire. Ça veut pas dire qu'ils sont qualifiés ou pas qualifiés, bien évidemment. Hein. Donc désolé, j'ai eu un petit doute, un petit stress en me disant, oh mince, tu vois, genre. Mais en fait, je pense que tout va bien normalement. Tout va bien, à part qu'on est mené. Ouais, bon, ça, voilà. Maintenant, il faut juste en mettre deux et c'est bon, quoi. C'est ça. Ou en mettre un, et puis voilà, c'est prolongation et il y a les prolongations et tirs au but, c'est ça hein. Ouais. Si, ok, s'il y a ça. S'il y a les tirs et au but. Et on a mis les tireurs. Ça va, ah, ok. On a pas oublié. C'est vrai que c'est tellement important, mais on se rend pas compte, hein, mais enfin oui, c'est le genre de détail. Qui, au niveau des compos, c'est. Comment ça se passe, enfin, sans entrer dans les détails, mais c'est. Vous en discutez tous en fait, hein, c'est ça. C'est vraiment. Il y a un compromis avec tout le monde ou c'est. Ou il y a vraiment une personne qui tranche précisément? Ben c'est le coach qui tranche quand même. Ok, ok. Ça veut dire qu'il y a la baguette. Ça veut dire qu'on discute, enfin, dans la semaine, selon le match et selon un peu l'impulse de l'équipe ou du coach, on discute un peu de ce qu'on veut faire, de ce qui est possible, pas possible. Puis la match form, elle dit quand même pas mal de choses. Ça veut dire que si on a en moins 7, plus 2 le matin, on va devoir peut-être rentrer des joueurs ou autre. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à ce niveau-là. Donc la match form elle dicte pas mal de trucs, mais on dicte les grandes lignes durant la semaine, puis après on affine le vendredi. Puis au final on discute tous ensemble, on peut partir sur une compo, avoir quelque chose à 13h, 14 de près. Puis après, bah, je sais pas, il y a d'autres managers qui viennent durant l'après-midi, qui revoient des détails. Je peux donner un exemple bête, en J1 on jouait contre le Mozambique, puis on était tous sûrs qu'il n'avait pas forcément joué, ça c'est habituel. Puis Titoun Smil nous crie dessus, limite, comme quoi on va faire une CA. Enfin, sur Discord, on ne peut pas crier. On l'a pas suivi, il a fait sa CA. On a des fois, on s'écoute, des fois, on s'écoute pas. Mais on essaie toujours de trouver un compromis qui puisse charger tout le monde. Et si on n'y arrive pas, bah, c'est le coach qui tranche. Ok. Voilà. Puis Rudy, bah, il tranche bien. C'est pas mal. Ok, l'ambiance est bonne, j'imagine, dans le groupe. Ouais, c'est cool. Pas... Le groupe vit bien. Ok, le groupe vit bien, c'est ça. On voit ça match après match, ou bien. Clairement. Si dans le chat vous avez encore des questions, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, profitez-en. Et aussi, oui, Polach et ce suisse, si vous voulez aussi dire des choses, s'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder, c'est l'occasion. Non. Non, je suis en train de prier pour que mes joueurs ne se blessent pas sur ce match, parce que j'aurais un peu besoin pour dimanche. Parce qu'il me reste, il me reste pas beaucoup de matchs. Enfin, il reste 4 matchs sur la saison. Et outre la coupe, j'ai eu l'occasion de enfin remporter le championnat. Et je voudrais pas me faire avoir par le deuxième qui est le futur gros des prochaines saisons. Donc je voudrais bien le faire patienter encore jusqu'à la saison prochaine. Attends, tu es. Ah oui, c'est vrai que tu es premier actuel. Ah oui, tu es très bien en fait dans le classement en Ligue 1. Alors je suis très bien, sachant que le deuxième, il lui reste 4 matchs, dont un contre moi à domicile. Donc là, ça risque de jouer gros. Et dont 2 matchs qu'il a déjà gagné d'avance quasiment. Ok. Sauf s'il oublie de faire une compo. Donc virtuellement, il n'y a pas une énorme. Enfin, la différence est plus petite que ce qui semble apparaître au classement. Et c'est vrai, parce que là, on voit quand même pour l'instant, c'est 6 points d'écart, voire presque 7 avec le goal average. Ouais, mais en fait, il lui reste à jouer les deux derniers. Ok. Sachant que l'avant-dernier est un des derniers champions qui a rebooté en milieu de saison. Donc il va lui en passer une dizaine. Ok, ouais, ça peut vite se remonter. Quoi. Ouais, ça va vite se remonter. Et là, je joue le troisième chez lui. À l'extérieur, tout à fait, ouais, la prochaine journée. Voilà, donc la compo est prête. Par contre, elle ne me plaît pas forcément. Je ne suis pas très satisfait de ce que ça donne, notamment à cause de la forme qui est un peu toute pourrie. Donc voilà. Si Yepé et Yako restent en bon état à l'issue de ce soir, je serai content. Ok, bah en tout cas, ensuite, bonne continuation dans la saison. Et puis. Puis merde, hein, comme on dit, hein. Faut le dire, c'est comme ça. Hein. Tout à fait, une bien grosse. C'est ça. Cette kill. Oui, ça suit. Une bien grosse, bien propre. Pour répondre à cette kill. Oui, on tout à fait. On utilise Portal, comme me répond. Excusez-moi. Je le hackais avec ma binge. Pas de souci. On utilise Portal. Et on aimerait bien plus utiliser la Fédé, mais ça demande du temps de faire des tableaux, de faire des suivis. Et du coup, la Fédé, elle est peut-être un peu moins active, dira-t-on. Mais on suit beaucoup les joueurs sur Portal.
Ben voilà quoi, c'est un peu normal, je trouve. C'est un peu un outil super intéressant qui pourrait avoir une ou deux fonctionnalités que le site de la DTN a. Moi, je rêve du jour où Portal et le site de la DTN puissent fusionner. Et là, on aura un outil complètement de barjot pour pouvoir suivre les joueurs, quoi. Ouais, je suis un peu moins enthousiaste sur Portal du Ah, bien fait sûr, je d'avoir vois. utilisé le tracker de la DTN France. Parce que Portal a plein de fonctionnalités, dont certaines qui sont un peu fausses. Et qui. Voilà, ça donne l'impression d'un outil parfait, miraculeux. Mais en fait, non, le tracker français est vraiment super. Ok, juste petite parenthèse pour Sénégal-Maroc, il se passe des choses en tout cas. Le Sénégal qui a ouvert le score à la 37e et le Maroc qui a égalisé à la 39e. Donc ça c'est aussi un match qu'on suit effectivement avec aussi pas mal de francophones. Donc, Ah, et Taleb qui est passé en offensif côté ivoirien. alors on va repasser du côté de Ouais, la puis Côte d'Ivoire. on voit aussi le gardien sud-africain qui perd rapidement de l'enduit. Ça peut être bon pour nous, parce que Déjà? ben, s'il perd de l'enduit. Ouais, il perd déjà, mais Moroka est pilote, il perd déjà de l'enduit. Il y a Ah. aussi l'ailier gauche. Donc ça pourrait être un avantage qu'on pourrait exploiter plus tard, on espère. Intéressant, effectivement. En tout cas, au niveau des notes, il peut se passer des choses pour la Côte d'Ivoire, en tout cas, encore dans ce match. Hein. Franchement, Ah ben on espère, on espère. au niveau des replays, c'est qui? Il y a des gens qui s'occupent des replays. Je sais qu'il y en a. Je sais que c'était Aiglefin, je crois, en France U21. Est-ce que des gens ont déjà des replays, en fait, avec Prénubio, c'est ça, hein, je crois? Est-ce que ça a été fait pour la Côte d'Ivoire ou est-ce que vous le faites pas spécialement, ça? Les Je crois qu'on estimations. n'est pas tout à fait pour le faire, non? Ok. C'est au cas où, hein, si. Bah, c'est surtout, faut pas déconner. Quand je faisais mon mandat, mon dernier mandat là, bah, j'avais les cours le jeudi et le vendredi, j'avais des cours d'éducateur de l'enfance. Puis du coup, bah, je pouvais être sur l'ordi tout l'après-midi, puis faire des prénubios. Je crois que la finale, j'ai dû faire une soixantaine de simulations prénubios dans l'après-midi, ça avait aucun sens. Mais au final, je crois que l'avantage par rapport au U21 chez les A, c'est qu'il faut s'affilier avec une compo, prendre une décision, puis si on la compose bien, la composition, ça veut dire qu'on cherche tous les détails, qu'on fait attention à, bah, typiquement, à mettre les milieux de terrain du bon côté pour gagner des 0,25 selon les choses. Voilà, c'est un des trucs que je peux dire. On peut sortir une bonne compo en travaillant bien. Puis le Prénubio, bah, il va nous dire qu'on peut gagner 2 victoires là, 3 victoires là. Voilà quoi. C'est bien Prénubio, mais il faut pas tout le temps s'y fier. Ok. Après, quand Kesseru ou Alpa a pu le faire, on est content. Mais on respecte aussi qu'on a tous des vies, quoi. Bien sûr, ouais, non, bien sûr aussi, c'est clair. Salut C'est beau ce Axa. que tu dis là, je suis ému. Ouais, ça fait plaisir. D'ailleurs, je fais un big up à Swick, qui a formé d'excellents gardiens pour la Côte d'Ivoire, ça me fait plaisir de le voir là. Puis qui là est en train de nous faire des latéraux du feu de Dieu. Des latéraux tireurs de coups francs qui vont pouvoir être actifs si on se qualifie pour la Coupe du Monde de la prochaine U21. Donc big up à Swick pour ce qu'il fait. Ouais, big up à lui en tout cas. Quand tu dis Squeak, c'est Super Squeak, c'est ça? Ouais, Ok, super Squeak. oui, ok. Enfin, C'est son petit nom. je dis que. Parce que. Enfin, moi j'accepte qu'on. Enfin, si tu m'appelles, c'est Suisse, je vais pas me fâcher. Donc, Tout à fait, non, t'as raison. C'était pour moi juste pour être sûr de ne pas me tromper de manager. Hein, Pour moi, on peut écorcher mon prénom parce que je sais que je peux aussi écorcher les prénoms des autres. D'ailleurs, il y a Djaboud qui est là. Mais il y a du monde. Y a du beau Mais monde. par contre, Il y a du monde. c'est qui les latéraux? Parce que là, je suis un peu inquiet, vu que je suis censé être DTN latéraux et Ah. que je retrouve pas. Non, mais c'est du U21. C'est Ah, du Ego. U21, putain, j'ai eu peur. Et là, ça tourne Je suis. mal. Oh là là, je me suis dit merde, je connais pas mes joueurs. Viré en direct. Non, non, on vire personne. En Côte d'Ivoire, on vire personne. On refuse les démissions. Ah non, 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 elle a accepté la fin de saison d'ailleurs. Si tu es DTN latéraux dans l'âme. Tu nous intéresses également. Ouais, mais n'importe quelle personne qui veut s'investir, on la prend avec plaisir. Ok, vous cherchez des gens. Enfin, en fait, si des gens veulent s'investir, ok, sont les bienvenus. Donc, petite publicité pour les gens, si des gens dans le chat sont intéressés. Mais dans le fond, on accepte tout le monde. Et il y a vraiment un bout où découvrir comment les arcanes d'une NT en Côte d'Ivoire ou n'importe où en Afrique ou dans n'importe quel pays où il y a quelqu'un de francophone dedans, c'est toujours intéressant parce qu'on se retrouve pas avec la même pression de la communauté. Faut pas déconner, même si des fois elle peut être légitime, illégitime, bien placée, mal placée, ça c'est un autre débat. Mais en France, il y a une pression, il y a des discussions, il y a, enfin, il y a une
une valeur forte sur les NT. Si tu viens en Côte d'Ivoire, bah, si on se trompe sur une compo, on va le dire qu'on s'est trompé. On va peut-être prendre un petit taquet, mais c'est pas très grave parce que ça va. On essaie de faire vivre le truc et puis c'est l'un des choses. Après, je dis pas qu'on ne doit pas avoir de résultats. On a envie de faire des belles choses. Mais c'est très différent en France où dès le moment où il y a un problème, ça peut prendre des proportions grandes. Venez dans un petit pays pour apprendre, comme ça après vous êtes blindé pour un pays francophone, à mon avis. Ah, c'est vrai que ça peut être une bonne expérience, effectivement. Et Voilà, il y a Aiglefin, il est passé par la Côte d'Ivoire notamment. Enfin, des gens qui sont calés en NT. Et puis, j'ai pas d'autres, pas beaucoup d'autres gens. Qui... Ouais, Hyde 25, ça c'est. Il a été coach en Côte d'Ivoire avant de subir le deuxième plus gros vol après celui de Kasselec pour pas qu'on ait la médaille. C'était un match contre le Franchement, Vélodrome. moi je le mettrais en premier. Hein. Ah, c'était dur, Ah non, mais purée. autant qu'à Selec, c'était le scénario du match qui était horrible sur le fait de mener jusqu'à la 89e et de se faire sodome en une minute. Ouais, c'est ça. Autant Hyde, c'était les notes de match qui étaient complètement en sa faveur. Enfin, sur le T2, T3, il avait bénéficié de concours de circonstances de fou, c'est-à-dire des joueurs, des coachs qui sont éliminés avant la J3 et qui désélectionnent des choses de genre. Donc il arrivait blindé comme pas permis au J4, tout ça pour se faire voler, mais pas sur le scénario du match, quoi. Vraiment, tu regardes les notes à T0, mais tu mets un billet énorme sur l'équipe de France et. Oh, c'était d'une ce match c'était quand même d'une violence. C'est vrai, enfin, Enfin, les... le match de Casalec, c'est un troll au Ah, final. mais Moi, c'était... je Oui, le c'était le scénario. C'était le scénario qui était horrible, Le quoi. scénario, ouais, non, il n'y avait Ouais. pas plus cruel comme scénario, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, je crois qu'on l'avait suivi en direct sur Ouais, HTL. Il bien disait que plus sûr. rien ne pouvait Oh nous que. arriver d'après maintenant. Oh que Ça oui. m'est revenu, ça, un petit Hein? peu. Ouais, on en parle encore. C'était plié un rapide, hein. Mais disons que j'avais fait. Ouais, comment dire. Tu vois, Enfin, je parlais à Casselec en lui disant, voilà, tu vois, genre. En plus, Casselec, il restait toujours très prudent. Hein. Il disait, non, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Et moi, je sais pas, vers la 80e, je lui ai dit, genre, non, mais là, c'est bon, on peut dire que c'est fait, tu vois, félicitations et tout. Enfin, c'était horrible, tu vois, finalement. Maintenant, je prends des pincettes, hein, quand je suis les matchs, je ne dis plus rien avant la Non mais fin. tant que c'est pas la France, c'est bon. Tant qu'il n'y a pas Ouais, l'anglais c'est qui vrai. Non, m'a non, émis, mais je tiens, passe. Hein. pour la Côte d'Ivoire, vous dites rien du tout. Non, non, je dis Par rien, contre, je dis par rien, contre. je dis rien. Je peux juste dire que le Non Maroc, mais. en tout cas, a mis un deuxième but face au Sénégal. Donc Non. voilà, sa petite précision. Pour la Côte Non. d'Ivoire, on va rien dire, effectivement. Ah, on a Poupoul qui est là. Bonjour Alors, il y Poupoul. a Poupoul. Ah, il est. J'ai vu qu'il y a Ah bah Rudy Poupoul. Rudy Siv qui a suivi. Donc Rudy, j'imagine, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire qui a suivi la chaîne. Il y a Courbis OM, en tout cas, qui nous a rejoint dans le chat aussi. Il y a du beau monde ce soir. En tout cas, la Côte d'Ivoire ramène des gens, faut croire. Donc Ouais, c'est bah bien chouette, en tout sûr. cas. C'est Ah, mais le chouette. match de Castellec, moi, le truc que j'aurais toujours entre la gorge, c'est que le gars qui met le 3-3, il s'appelle Prankner. Ah, bref, c'est un truc qui fait des pranks, ça va Ouais, pas. c'est vraiment ça. C'était tellement, tellement violent. Mais pour parler du mandat de Hyde, où c'est aussi un vol monumental du Venezuela, Hyde, il arrivait à vendre à des managers adverses de désélectionner avant la J3, quoi. Il disait, ouais, t'es éliminé. Pour le classement, c'est mieux que tu nous laisses le match. Puis il a réussi à convaincre deux coachs comme ça. Moi, c'est un magicien, quoi. Je sais pas comment il fait ça. Alors qu'on a un petit Ça veut dire bonsoir. que ouais, le précis, c'est qu'il arrive à convaincre un coach déjà éliminé d'avoir une certaine attitude et puis de l'avantager lui en étant gentil, quoi. Après, je sais pas si je peux sortir ces dossiers-là, mais ça fait quand même ouais, 4 ans. Et du coup, c'est là qu'on voit que le monde des NT, des fois, bah, il faut parler, discuter, négocier. Et moi, c'est quelque chose que je suis tout à fait incapable de faire, personnellement. Ok. Tu voudrais pas, ou tu pourrais pas, ou tu ne voudrais pas être sélectionneur Moi, j'ai été sélection. sélectionneur, Ah oui, t'as été, bah oui, qu'est-ce que je mais dis, bah oui. j'aurais Une pas nouvelle. la gouaille, ni comment on appelle ça? La gouaille, ni je me sentirais mal éthiquement de demander à quelqu'un de faire quelque chose alors qu'au fait. Ah, c'est juste la discussion, quoi. Si le gars il est Ah d'accord, tant oui, mieux. ouais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. C'est que moi je me dirais non, c'est pas correct pour l'autre équipe et tout. Alors que des fois, bah, faut être pas sans pitié, mais Ouais, je vois ce que tu veux dire. au-delà d'un big deal, venir discuter avec un gars déjà éliminé, lui demander ses intentions, c'est pas grave, quoi. Je sais pas ce que tu as à dire là-dessus, Paul. Tu t'es pas souvent retrouvé dans des genres de situations. Toujours Bah contre disons que là l'arrache. sur en club là sur ma J7 quand j'ai vu que entre la J7 et la J8 où j'ai vu que mon futur adversaire avait revendu la moitié de son équipe, racheté des jeunes de non pas racheté des jeunes, il avait encore ses chèvres.
il avait rendu sa moitié de l'équipe, j'étais allé aux nouvelles quand même pour savoir ce qu'il comptait faire. S'il comptait mettre ses derniers bons joueurs face à moi ou s'il allait mettre les blaireaux qu'il allait aligner tout le reste de la saison. Oui, non, mais faut pas hésiter à aller discuter. Hein. D'ailleurs, après une élection, la première chose que tu vas faire, c'est d'aller taper à la porte de tous les autres pour voir avec qui tu pourras discuter, avec qui tu pourras pas. Après, c'est pas forcément parce que tu discutes bien avec un gars qu'il y a des accords qui se nouent derrière. J'ai souvenir d'avoir eu... dans mon premier mandat, avec le sélectionneur suisse, on avait vraiment bien discuté tout au long du mandat. Et pour autant, s'il avait pu m'éliminer en J14, il l'aurait fait. Et pour autant, j'ai motzé en J14 comme un mort de faim pour arracher la qualif. Sur le deuxième mandat, avec le sélectionneur canadien que j'avais déjà rencontré avant, donc on a bien discuté, mais sans jamais réussir à se mettre d'accord sur le moindre accord. Mais voilà, enfin, tu prends des infos et après, tu en tires les conclusions que tu veux. Mais ouais. Voilà, au moins tu sais sur quel terrain tu t'avances. Et voilà, moi au niveau des pick deals, je crois que le seul pick, enfin, il y avait un pick deal en J2 d'une équipe qui m'avait proposé en me disant ah, mais tu peux pin la G1, pin la J1, puis on fait un pick deal J2. Puis moi j'avais dit non. Puis en fait, le gars, tout ce qu'il voulait, c'était que je pin la J1 pour qu'après je sois en retard de TS sur lui. Enfin, des fois, on se fait prendre pour des bobets. Des bobets, vous savez ce que ça voulait dire, ce que ça veut dire en France, des imbéciles? Ah, ok. Un peu comme des bennets ou quoi, ouais, des bonnets. Des bennets, okay. Ouais. Des bobets, des blaireaux. Et puis, l'autre fois, quand j'ai fait le T2 de l'ancienne Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire, je gagne le premier match contre les Tchèques. Les Italiens, ils gagnent le premier match. Là, le pick deal, il n'a même pas besoin d'être écrit, mais on s'est quand même dit qu'on faisait un pick deal. Parce que ça a avantagé les deux équipes. Mais autrement, il ne me semble pas vraiment avoir passé d'accord comme ça. Donc, ça dépend toujours des discussions qu'on peut faire. Non, et puis après, tu peux avoir des accords qui sont un peu rigolos à passer. Je crois que sur le mandat d'Erré, et donc là, je vois pas qu'il est connecté, donc il va crier Pin Chine dans pas longtemps. La Chine était un des principaux concurrents à la deuxième ou troisième place, je sais plus. Et voilà, elle a pas crié Pin Chine, tout à fait. Donc j'avais essayé de convaincre Erré de faire des accords avec deux équipes différentes pour piner la Chine. Donc c'est-à-dire tu vas voir un gars en disant tiens, est-ce qu'on pinerait pas la Chine tous les deux, et puis tu vas voir un autre gars, tiens, est-ce qu'on pinerait pas la Chine tous les deux. Donc tu vendais la même chose à deux personnes différentes, tout ça pour sélection, pour essayer de couler celui que tu avais ciblé. Ouais, c'est c'est des anecdotes assez marrantes. Ouais, mais des fois il y a des éléments tactiques à essayer de goupiller. C'est comme la tactique de Kasselec du triple match quand il est au T2. C'est comme quand Polac, à la fin de son T2, il était avec un TS nul et il a fait le choix de vider tout son effectif. Et ça a surpris pas mal de monde, notamment le Croate que Polac a affronté au T3 avec la France. Ouais. Et du coup, il a tellement peur que qu'il aurait eu peur à ce point-là. Et voilà, des fois, essayer de tenter des trucs, enfin, je trouve super intéressant d'essayer des trucs quand on est dans des positions difficiles. Contrairement à ce qu'on a pu voir, enfin, ce qu'on peut voir. Allez, je vais pas parler plus loin, j'ai pas envie de dire des bêtises. voilà, toujours essayer de faire des choses qui surprennent l'adversaire. Mais c'est pas toujours possible non plus. Après, avec la France, depuis que souvent la France est dans la mouise. Non, et puis après, ça implique aussi de réussir à se mettre un peu dans la tête des gens. Ouais. Et de se mettre dans la tête des sélectionneurs adverses et de réussir à imaginer que l'autre ne réfléchira pas forcément de la même manière que toi. Ouais, voilà. Parce qu'au bout d'un moment, si tu considères que ton adversaire joue tout le temps de manière irrationnelle, c'est juste que tu n'as pas réussi à te mettre dans sa tête et que quelque part, tu as un peu merdé sur ce que tu devais faire, quoi. Le but, c'est pas de réfléchir de comment est-ce que je jouerais si j'étais dans sa situation, mais comment est-ce que lui va jouer, sachant qu'il est dans cette situation. C'est ça la grosse subtilité qui n'est pas forcément toujours bien perçue. Oui, puis on arrive... Enfin, ouais, c'est... Le monde des NT est un monde extrêmement communautaire, participatif. Puis quand on se retrouve à préparer une compo, qu'on réfléchit plusieurs heures, puis qu'elle marche après à 20h, ça fait un moment d'émulation super cool sur le Discord, on est tous... tout le monde est assez fier. Et puis, moi, c'est ce que je préfère sur Hat-Trick, quoi. En fait, c'est que j'aime bien monter mon équipe, j'aime bien essayer de la faire aller plus loin. Je suis monté en D2 Suisse, en D2 de HTI.
J'ai gagné une coupe au Côte d'Ivoire, j'ai fait 3 tours de Masters. Mais si je dois parler de ce que je préfère, bah c'est quand on réfléchit des heures à une compo, qu'on réfléchit des heures à un détail, qu'on se dit de rapide, il va le mettre là, donc on va mettre notre défenseur rapide là et pas ailleurs, et que le gars il le met exactement là, bah là on peut se dire, ah bah ouais, on a bien joué. Et de partager ça avec d'autres, quoi, aussi. Pas tout seul dans son coin, en fait, effectivement. Ah bah oui, c'est un peu important quand même de partager. Non, mais je veux dire, c'est la différence Partager entre les un... choses. Non, je veux dire, entre un, tu vois, genre un manager de club et un manager d'équipe nationale. Enfin, manager, ouais, entre jouer pour soi, pour son club, ou en équipe nationale, où là, c'est vraiment pas l'aspect communautaire que se suit, quoi, justement. Bah, à condition que tu l'aies compris, oui, parce que Oui. c'est pas automatique. Ok, ouais. Un truc dingo, je prends l'exemple de Polatch, mais je pourrais parler de Herré aussi, même si maintenant il est peut-être un petit peu moins présent. Mais Polatch, moi je l'ai connu, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, à cette époque j'avais un gamin, maintenant j'en ai 3. Je peux spoiler, il n'avait pas d'enfant, maintenant il a un gosse. On s'est connus durant ces 7 années sans jamais se parler. Ça veut dire que là, quand on s'est vu sur le Discord, puis qu'il a dit salut, j'ai dit salut, puis j'ai fait ouais, putain, ça fait 7 ans, c'est pas pareil, enfin, on s'est Ouais, c'est jamais vu. la première fois qu'on s'est parlé, c'était il y a 1 heure. Ok, d'accord, ok. Et du coup, c'est assez ouf, quoi. Mikal 1004, par contre, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, s'appelle Mikal 1004 parce que les GM lui ont demandé d'enlever le 8-8. C'est son année de naissance, mais c'est aussi Heil Hitler. Bref, lui, c'était un pote de l'école. Et on ne s'est pas vu depuis l'école, parce qu'on était dans des classes parallèles, machin. On s'est redécouvert sur Attrick, puis on s'est rendu compte qu'on était dans la même école. Il y a des trucs fous, je Ah ouais, trouve, c'est dans la fou à fond. communauté Attrick. C'est vrai. C'est assez marrant, quoi. Ouais, c'est Après, j'ai comme pas envie avec Alpa, de on s'est rendu compte qu'on aime les mêmes bières. Mais Alpa aime bien toutes les bières. Non, mais ouais, tu c'est un pourras peu lui parler de facile la de dire Saint-Bernardus, il en a des bons souvenirs. Enfin, je sais pas s'il a des que... Ok. souvenirs d'ailleurs de cette soirée. Bon, en tout cas, Apparemment, c'est... assez pour le faire pleurer. Je sais pas si Alpa est encore là, mais... Ah oui, je vois qu'il est encore dans le chat. J'ai vu qu'il y avait... Le sélectionneur était là aussi, hein, dans le chat, il a dit salut, donc salut à Rudy aussi, bien évidemment. Si tu es encore là, Rudy, dis-nous si c'est des bons éléments... si c'est des bons éléments, en tout cas, Polatch et se suit, donc n'hésite pas à nous dire... Et donc pour répondre à Hongdou, oui, on avait passé quelques, enfin, il y a quelques IRL sur Paris qui se font, bah, même si c'est Paris, bah, c'est quand même un sixième de la France avec la région parisienne à peu près, donc un sixième des joueurs de hat-trick en France statistiquement parlant, donc c'est plus facile de se faire des soirées à Paris. En effet, Saint-Bernardus, priez pour nous. La pinte de Toujours le Saint-Bernardus pull. bleu. Non, je lui ai rendu son pull, je lui ai rendu son pull ainsi que son rhum arrangé dégueulasse dans lequel j'avais vidé tous les fonds de bouteille que j'aimais pas. Je sais pas s'il l'a bu au final ou pas. Alpa, tu me diras si ton rhum te picotait la gorge plus que d'habitude. Mais ouais, il y a d'autres IRL qui se font après. On en a déjà fait. Elle est où sa carte bleue? Tout à fait. Il y a d'autres IRL qui se font au fur et à mesure des rencontres, des gens qui, même de passage à un endroit, savent que tel. Telle personne habite dans tel coin et voilà, et essayer de rencontrer des gens, c'est toujours sympa. Et puis ça permet de picoler. Ouais, c'est ça. De ce que j'ai compris, ça a l'air d'être Ouais, le cas. c'est toujours cool. Le rhum a servi à déboucher mon lavabo au final, nous dit Alpa. Mais ok, mais en tout cas, c'était sympa. Je suis désolé, hein, mais on va, à mon avis, je dois... j'ai le mauvais rôle. Je dois dire, bah, voilà, en tout cas, on va se laisser là-dessus tout doucement. Mais c'est chouette. En tout cas, ce suisse, si tu veux repasser, c'est quand tu veux. Polach aussi, hein, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus si vous voulez repasser un jour. Peut-être pour faire une émission sur la Côte d'Ivoire, plus en détail, si ça vous dit. Donc là, j'en profite des 30 dernières secondes qui me sont Ouais, offertes pour refaire de la pub. ok. Si vous avez une équipe achetée à Nive dont vous ne savez pas quoi faire, contactez Sesui ou moi pour essayer de former des Ivoiriens en vue des U21. Et si vous avez une équipe qui va rebooter d'ici environ 5-6 saisons, bah, vous nous contactez aussi pour recruter ces mêmes Ivoiriens qui seront gavés d'XP, qui seront les meilleurs de leur génération, pour les former en vue des A pour dans 15 saisons. Ok. Ouais. N'hésitez pas, on sera là pour vous suivre et puis vous accompagner avec plaisir. Parce que chaque manager compte et puis les managers qui ont plusieurs, qui forment des joueurs à plusieurs, c'est ceux qui sont le plus précieux. Donc voilà. Big up d'ailleurs à Régis Rag qui a 3 joueurs sur le terrain là en ce moment. Merci à HT Actu aussi. Ok, bah merci à vous, en tout cas c'était super sympa, on a passé un bon moment, hein. Moi je vous ai vraiment, je pense comme le chat, on vous a écouté, c'était sympa en tout cas, plein de petites infos intéressantes. C'était top de vous écouter, 17 kills, Bouy Dialpa, tout de bon se suit, merci pour avoir suivi mes ailiers français, ils arrivent bientôt à maturité, donc Ah, voilà. bon. Et Donc, oui.
Et ouais, je voulais juste dire, donc la semaine prochaine, parce que là je vois qu'en plus